S'il vous plaît, mon roi. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Appliquez la justice avec miséricorde. S'il vous plaît, veuillez nous pardonner. Je veux me rassurer que ce mauvais comportement de ma fille ne se répète plus jamais. Je vais personnellement la réprimander. La réprimander, tu dis? La réprimander, tu dis? Est-ce que tu te rappelles le nombre de fois où je t'ai donné l'opportunité de réprimander ta fille? Mais tout en vain. Mais tout en vain. Parce que tu n'es pas assez homme. Un homme faible, un homme peureux. C'est ce que ça veut simplement dire. Et à cause de ça, regarde. Regarde ce que ta fille a causé. La stupidité de ta fille t'a dépouillé de beaucoup de choses. Elle t'a dépouillé de beaucoup de choses. Tu n'es plus le Nohu de ce royaume. Le titre de Nohu a été donné à Nanka que voici. Et tous les autres avantages, les autres postes que tu étais censé occuper, tous t'ont complètement été retirés à cause de ta fille. Et enfin, tu ne fais plus partie d'un autre jusqu'à ce que tu amènes ta fille faire face à sa punition. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Mon roi, s'il vous plaît. Je sais à quel point vous êtes déçu dans cette affaire. Je sais. Je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance. Et je vais tout arranger. Je vous le promets. Eloi, ce qu'a fait votre fille mal, c'est totalement inacceptable. Comment a-t-elle pu brûler tout le marché construit par notre roi ici présent? Un truc qui nous aidait tous. Est-elle folle? Cette fille a complètement perdu la tête. Nohu, hé! Oloa, estimez-vous heureux que le roi ne vous ait pas banni, vous et votre famille, de ce royaume? Estimez-vous heureux? Mwangwa di du tuyamu, Kalalea! Je te donne 24 heures pour nous livrer ta fille. Si tu ne le fais pas, tu verras mon autre visage. Et ce marché doit être reconstruit dans l'immédiat. Otuanzi bien gros aide. Amanege bagui, imeno kinenagwa. Maintenant, va-t'en. C'est Nirumane pour. Tu dois juste partir. Pas. Abunaga bene, bien. Reviens ici. Viens me rendre le titre de Nohu. Oh Nohu, roi. Lève-toi et fais ce que tu es censé faire. D'accord. Ma pion bonis. Fais-le, c'est parti. Ah! Approchez, tenez-vous là. Mon roi. Eloi. Tenez-vous là, Eloi. Maintenant, prenez ça. Vraiment très simple. En gris, c'est bien. Nohu. Je connais ça, Nguagu. Je connais ça pas où? Pour lui. Tu es maintenant le Nohu de ce royaume. Par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que roi de ce royaume, je te fais au Nohu. Igwe. La Nande. Au Nuguziano. Au Nohu. Ah ah. Ogwanega. Ogon Nugusi Nubia. Ah ah, Buna. Comme j'étais en train de le dire. Ton règne vienne, c'est moi, Adézé. Et oula oula. Oh, Nego!
Adèze, je ne suis pas du tout d'accord avec ce comportement que tu affiches. Pas du tout. Comment tu as pu brûler tout un marché construit par le roi? Notre roi, pourquoi tu fais ça? Oh, ça, papa, c'est pourquoi tu te renfrognes. C'est pourquoi tu fais cette tête. Tu ne devrais pas. Relax, mon vieux. Détends-toi. Papa, cette terre en question nous appartient. J'ai mis en cendre ce marché parce qu'il est à nous. Ouais. Est-ce que c'est bien clair? Qui lui donne les droits? Qui lui donne le droit de construire si ces terres? Cette terre nous appartient, papa. Je suis sûr qu'il te les a volées. Ça, c'est clair. Il laisse rien là où elle est. Que justice soit faite. Père, je me bats pour toi. Que justice soit faite. Papa, je le fais pour toi. Tu devrais être fier de moi. Je suis une femme. Mais je suis ton fils. Parce que je suis ton enfant unique. Alors personne ne pourra te faire du tort quand je suis là. Absolument. Adèze, dis-moi pourquoi ne lâches-tu pas cette histoire une bonne fois pour toutes? Jamais. Le roi doit descendre de ce trône. Mais oui! Tu vois un peu? Donc je dois régler ce problème tout de suite. Beaucoup de choses ont changé dans ce royaume. Tu vois, alors je dois fixer tout cela. Adèze, sais-tu vraiment ce que ton attitude m'a causé? Écoute, on m'a enlevé mon titre de Norwu pour le donner à Ichie Naka. Tu dis quoi? C'est exactement ce qu'ils ont fait. Oh, ils me l'ont enlevé pour le donner à Ichie Naka. Non, tu t'amuses, toi. Donc le roi haït le kilo, je ne sais pas. Comment le dire en français? Même le français n'a pas de mots. Maman, dis-lui comment tu te sens. Hein? Donc il a donné le titre de Nohu à Naka. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ce n'est pas ton poste. Oui, il t'avait en fait donné le titre de Nohu pour te corrompre. Mais ta fille va leur rafraîchir la mine. Oh, ça sent mal. Mais gars sûr. Gaza. Oui, la maman. Fagazaga. Mais gars. Le nouveau royaume arrive. Il arrive. Ouais, la maman. Naka, j'arrive chez toi. Quoi? On va lui rendre une petite visite. Adèze. Et bien, le vieux. Histoire d'avoir des preuves. Le passement de pouvoir a été médiatisé. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mon roi, je vous appelle. Qu'est-ce qu'il y a, femme? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, d'accord, je t'écoute maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Mon roi, je pense que votre décision envers Eloa est très dure. Il ne mérite pas cette punition de la apprendre son titre de Nohu. Mon roi, c'est un homme bien et il vous a bien servi. D'ailleurs, je pense qu'aucun de vos aînés ne vous sera loyal comme il l'a été. Sa fille est une menace pour moi. Une menace, une très grande menace. Oui, le père de mon ennemi est aussi mon ennemi. Oui, comment peut-elle brûler le marché que j'ai construit avec mon propre argent? Hein? Juste comme ça pour la communauté. Elle l'a réduit en cendres. Pourquoi? Mais selon ce que j'ai entendu, ces terres appartenaient à son père. Et vous le leur avez pris. C'est du gros n'importe quoi. N'importe quoi! De quoi est-ce que tu parles? Eloa m'a donné cette terre. Je ne la lui ai pas volée. Ne le comprends-tu pas? Mais vous l'avez persuadé de le faire. Il ne l'a pas fait de son plein gré. Assez! Assez avec toutes ces bêtises. Surveille ta langue. Surveille ta langue.
Je me tiens du côté de la vérité. Eloi a été bon envers cette famille. La révolution sera médiatisée. Pourquoi? Tu veux toute la vidéo? Pourquoi vous paniquez comme un gosse? Vous tremblez, on dirait une poule mouillée. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Bien qu'une mauviette que vous êtes, vous sémez le trouble partout. Tu as finalement eu ce que tu cherchais toutes ces années. Hein? Ce type s'est joué de mon père. Tu t'imagines? Ils ont fait une caricature de mon pauvre père. Tu t'imagines? Maintenant, écoute-moi. Je veux que tu ailles passer un message au roi. Idiot. Dites-lui que vous n'êtes plus intéressé par le poste de nouveau de ce royaume. Hey, couchez-vous par terre. Allez, vous au sol. Vous êtes cinglé, quoi. Allez, neutralisez-le. Allez, au sol. Couche-toi. Enlève-moi ça. À terre. Écoute, tu n'es plus au nouveau. Enlève-moi ça. Non. Rendez-le-lui. Rendez-le-lui. Mais il n'est plus le nouveau, hein. La tradition de ce royaume. Ok. Ok. Hein? Et deuxièmement, allez dire au roi que je veux qu'il descende de ce trône. Claire. Sinon, non, roi Nyatcha. On fucking voit que c'est Nyanya. Nogwegudo. Que le roi il a porté tout. C'est... Vous avez perdu la tête? Vous me questionnez? Hey. Vous êtes. Mais à qui tu parles comme ça, hein? Malade! Tu parles à qui comme ça? D'accord, tu parles comme ça? Ferme-la, hein? Idiot! Enlevez ça! Comme ça. Enlevez ça tout de suite! Idiot! Enlevez ça! C'est dit, enlevez ça tout de suite! Congez-le, madame! Ouais, allez, fouettez-le! Congez-le, madame! Les anges, j'espère que vous avez bien saisi! Levez-vous! Les anges, j'espère que vous avez bien saisi! Avancez! Levez-vous! La révolution sera médiatisée! Avancez! Tu veux tout de suite! Qui dégage, cessez! Mais dégagez de là! Tu veux toute la vidéo? Mais dégagez de là! Avancez là-bas! Comme Nyo et Nya! Remettez-lui le chapeau! Oui, donne-lui son chapeau! Ce roi, il ne reconnaît pas, la révolution sera médiatisée! Tu veux toute la vidéo? Idiot, photo du jour! On est si aimé, c'est... La révolution sera médiatisée! Tu veux toute la vidéo? Bien sûr qu'il la veut! J'ai toute la vidéo! Maman, attends, emprunte cette vidéo. Je vais la photo du jour. Hein? La photo du jour. C'est bon? Un autre c'est poster. Clair. Allez. Oh, maman, tu as du swag. Tu n'ignores rien. Oh, mon gars, tu as du style. Tu l'as pris? Bakanewa. Allons-y, les gars. Nogo Gudo. T'es là. Ils vont nous sentir dans cette communauté. Nogo Gudo. Igwe. Igwe! Naga! Igwe! Nagi Begewa, c'est quoi le problème? Je suis fini! Agaïgirigri! Non mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis fini! Hey! Igwe! Je suis fini! Ça veut dire quoi? Je suis fini! Igwe! Hey! Oyene Yuga! J'ai échappé! Aga! À la mort! Aujourd'hui! Adeze! La fille de Lua! Vous envoie un message! Hey! Igwe! J'ai échappé à la mort aujourd'hui. Excuse-moi, pourquoi est-ce que tu respires comme quelqu'un qui est tombé d'une montagne? Hein? Adeze, la fille de Lua, vous a envoyé un message. Jusque-là, je ne comprends rien. Elle m'a chargé de vous dire de descendre du trône de son père. Et elle m'a même de demandé de renoncer au poste que vous m'avez donné en tant que Olonohu de ce royaume. Je vous assure. Je vous assure. C'est ce qu'elle t'a dit. Hey! Arwa mani lege meni mogodu. Allo meni kodu morindoro meni bododu. Ce qui veut dire... Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Mwa deru leru mwono logodu. Ikukube walore nuya. Omere kwa odemma. Cette fille a osé me dire ça à moi. Elle m'a défié. Il n'y a pas de problème. L'heure est venue! Et cette heure-là, c'est maintenant!
je ne vais plus du tout l'épargner. Oui. Je vais en finir avec elle. Et ensuite, elle saura qui je suis et combien je suis préparé. Une simple fille de rue. Engel Kwama Kagesi Kwado. Garde. Majesté. Je veux que vous alliez à la maison d'Oloa. Faites venir sa fille ici. Tout de suite. Mort ou vif. Oui, votre majesté. C'est avec ce jouet. Si c'est avec ce jouet, elle va les tuer. Mambro. Et ce nom en madrien. Elle va vous tuer. Ce que tu vois là ne sont pas de simples lames ordinaires. Itchionoge. Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien lui faire? Ils ne peuvent rien. Je t'assure, Igwe. Alors, ce que tu es en train de me dire maintenant, c'est que tu as peur de cette fille. Oui. Ce qui veut dire. Mais je vais te dire quelque chose. Messie Ninfe, même son père ne va pas la sauver. Je vais en finir avec elle. Moi! Que faites très attention, cette fille. Faites très attention. Elle est méchante. Et du mort fort. Igwe, laisse-moi te dire quelque chose. Au Vogandje, Igwe, j'ai vraiment peur de rentrer chez moi. Comme je le. Comme j'étais en train de le dire. Comme je le disais, Mambo Kouche Walam. Ara. Au Boulogoka d'Ozoué. Ara. Est-ce que tu as encore tout essence? Il faut vraiment leur donner une leçon. Une vraie leçon. Igwe. Igwe. Igwe, Igwe, Gouma. Igwe, mon Igwe, quoi. Aga. Lolo, tu devrais déjà savoir ce que je veux jusqu'ici. Mon roi, je vous en prie, calmez-vous. Calmez-vous. Tout ira bien. Votre majesté. Je ne comprends pas. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Comme je vous l'ai ordonné. Votre majesté, nous avons ici... Ferme-moi ta sale gueule de merde. Ferme-moi ta gueule. Toi, espèce de fainéant. Je suis désolé, majesté. Espèce de fainéant. Regarde-toi. Je suis désolé, votre majesté. Waouh. Donc, cette gamine. Donc, une fille ordinaire. Moi, Numa Gana Umna Meli. Vous a causé toutes ces blessures. Hein? Comment? Où et comment est-ce que c'est arrivé? Une fille ordinaire. Moi, Numa Gana Guna Meli. Oh, mon Dieu. Ça, c'est incroyable. Ok, Kengwane Konane Tenjo. C'est quoi, ça? Alors, ceci veut simplement dire... que je n'ai pas de garde. Oh, ok, comme ça je marche croyant que j'ai une garde. Je vous prends pour mes gardes alors que vous n'êtes que de simples marionnettes. Nazozo Ngwanjenebu, je n'ai pas du tout de garde. Hey, Abomaka, comment est-ce que c'est possible? Je suis désolé, votre majesté. Je suis vraiment désolé, mais elle aussi possède des gardes du corps. Et ils ont tous des armes, votre majesté. Elle a des gardes du corps? Oui, votre majesté. Et ils ont des armes? Oui. Oh, maintenant je sais. Je savais que cette fille... que cette fille prépare quelque chose. Cette fille... Ah, Ozowadro, je sais ce qu'il faut lui faire. Ok, dans ce cas, je dois l'attraper par tous les moyens. La bataille vient juste de commencer. La bataille vient juste de commencer. Et quand moigné no botalo, et quand moigné kobosito. Wanya na bangano obenegwa. Ogo nenugu mwageno oweleba bobia. Dégagez de ma vue. Allez, dégagez de ma vue. Espèce de vaurien idiot. Mbano. Hey. Hey. Mon roi. Ok, que moi dinkinkidio. S'il vous plaît, calmez-vous. Moi, les Nidia. Oui, je comprends, mon roi. Et l'Olia Lolo. Un Olombien. Hey. Du royaume. Oh. Calme-toi. Mba! Hey! Hey! Moi, quand j'ai encore bien. Mba, mon. Adèse, comment peux-tu frapper sur les gardes du palais? Tu es folle? Père, je ne suis pas manipulable. Le roi pense qu'il peut me donner des ordres. Et il les demande de venir me chercher. Comment? Comment est-ce possible? Rokoyona Boko! Hein? Rokoyona Boko! Donc, je n'ai pas eu le choix que de les battre. Ils sont fous, ils sont malades. Qu'est-ce que c'est heureux que je ne leur ai pas explosé la cervelle? Écoute, tu sais, j'ai pensé à te poser cette question depuis, mais je n'ai pas eu d'opportunité. Mais maintenant que j'ai cette opportunité, je vais te la poser. Dis-moi qui sont ces garçons avec qui tu traînes. Ce sont mes hommes, papa. Ils travaillent pour moi.
Mais pourquoi? Papa, n'est-ce pas évident que... Je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question, papa. J'ai besoin de garde-corps. J'ai besoin d'hommes pour me protéger dans ce royaume. Père, le roi est un sale type. Oui. Père, sais-tu que j'ai voyagé jusqu'à Onitsha? Je suis allée à Onitsha pour me faire de l'argent. Père, as-tu une idée de comment j'ai souffert? Père, j'ai dormi sous un pont pendant des mois. Juste pour me faire cet argent. Afin de me battre pour toi. Afin de mener cette guerre. Père, j'ai souffert. Papa, awoma brono piweka. Papa, j'ai vendu des tickets. Papa, pia, 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 pia. J'ai eu un kiosque, j'en suis devenu propriétaire. J'ai gagné de l'argent. Ces gars sont mes hommes et ils travaillaient pour moi au Ninja. Alors je les ai emmenés ici. Ce que je veux est que le roi descende de notre trône. Ce trône t'appartient. Je veux qu'il te revienne. C'est aussi simple. Hadès, tu devrais déjà connaître qui est ton père. Je ne veux plus de problème. Ils m'ont écarté du trône simplement parce que je n'ai pas de fils. Selon la nouvelle loi, ils disent que quiconque aspire à occuper le trône doit avoir un fils. Ta mère et moi n'avons pas eu de fils, nous n'avons eu que toi. Et rien qu'à cause de ça, ils m'ont écarté du trône. Père, si j'ai bonne mémoire, l'ex-dirigeant de ce trône était une femme. Oui. Alors je voudrais savoir quand a été initiée cette nouvelle tradition. Oui, comme je l'ai dit plus tôt. La nouvelle loi a été initiée par le roi Asuka. Parce qu'il voulait m'éloigner du trône. Et aussi parce que je n'ai pas de fils. Il a corrompu tout le monde et me l'a pris. Alors il a menti et il veut que je m'asseye et que je le regarde gagner. Non, jamais. Pas tant que je suis en vie. Je t'en prie, Adézé. Ne sois pas entêté comme ta défunte mère. Je l'ai supplié de laisser tomber cette histoire, mais elle a refusé. Exactement de la même façon que je te supplie. Laisse tomber. Alors je ne t'écoute pas. Ntia otigum. Parce que je ne suis pas prête à t'écouter. Laisse-moi te dire une chose. Et écoute-moi très bien. C'est soit je meurs dans cette guerre. Parce que je suis la fille d'Agumwanya. Ma défunte grand-mère était la dirigeante de ce trône. C'était une guerrière. Et c'était une battante. Son sang coule dans mes veines. Bama Pietia. Il va descendre de ce trône de gré ou de force. Tu dois t'asseoir sur ce trône. Écoute, sois très prudente. Il faut que tu sois vraiment prudente, Adézé. Je ne veux pas te perdre. Je ne suis pas une lâche. Je vais me battre jusqu'à ma mort. Je ne baisserai pas les bras. On est une femme bien bas pour ses mains. Isego. Allez, filme. Moi, gnagnom. Eh bien, la photo du jour. Oui, c'est très bien. Origara, Worogosa. Origara, Worogosa. Wanyiso, vous n'obéissez. Hé, la révolution sera médiatisée. J'ai le clip entier. Que ton règne vienne, voilà le vieux car qui arrive. Le roi est là. Anya, Furumagwa. Abomination. Que ton règne vienne. Abomination. J'ai parlé, le vieux car est arrivé. Est-ce que tu as perdu la tête? Ina Poila, comment oses-tu t'asseoir sur mon trône? Maintenant, lève-toi de ce trône. Avant qu'Amadura ne te frappe à mort. Toi, arrête de prendre ces photos stupides. Non, mais t'as perdu la tête. Non, mais je crois que je nage en plein délire. Calme-toi, vieil homme, pourquoi tu vibres? Miya Dakwao. Oui, Kalagokwa. Vous êtes un vieil homme, pourquoi vous vibrez?
En tout cas, peu importe. Mais quel genre d'idiote es-tu? Hein? Quel genre d'idiote es-tu? Est-ce à moi que tu t'adresses? Hein? Est-ce que c'est à moi que tu t'adresses? Sais-tu au moins à qui tu manques de respect? Est-ce que tu sais que je peux te réduire en rien? Est-ce que tu sais que je peux te faire disparaître? De quoi parle-t-il? Alors qu'est-ce que tu attends? J'ai envie de disparaître, qu'est-ce que tu attends? Pour apparaître dans sa chambre. Je veux disparaître, fais-moi disparaître. Allez-y, qu'est-ce que tu attends? Ce vieillard. Allez-y, fais de la disparaître. On est ça, ami, c'est ça, menyo. La photo du jour, filme bien. Le paparazzi, le paparazzi. Là, on est Guata, pas l'année ici. Le paparazzi. Ouais, mais l'eau, Angoudewelo. Non, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, tuez-la! Faites-la disparaître! Oh, je vais faire vos gardes, ils ont peur de moi. Le voyez-vous pas? Ils ne peuvent rien me faire. Wanifi, moi et mon bois, quoi. Oh hein? Ah bon, Macao! Crétin! Monsieur, vous avez donné 24 heures à mon père pour que je reconstruise ce marché. Manglia! Mangnoya! Tu peux faire ton possible. Que ton règne vienne, puis c'est un vieux car qui arrive. Arshupungongu tsunoko. La maman. Otsugadro tsunoko. Oha, tchatchesi. Yatako, je ne vais pas reconstruire ce marché. Allez, prends-moi une photo. Ah! Alors c'est ça? Avec tous ces ornements que j'ai mis sur vous, rien? Ok, c'est ce qu'on fera. C'est ce qu'on fera. Prends-moi une photo. Ils ont des hommes avec eux, votre majesté. Photo du jour, mon frère. Prends-moi une photo. La révolution sera médiatisée. Ma reine. Vous voulez tous les clips? Ouais, ni c'est ni non, mais non. La révolution sera médiatisée. Que ton règne vienne, c'est un vieux car qui arrive. Oh, man, prends-moi une photo. Ici, amigo. Allez, mes hommes. Ouais. Tenez-vous prêts pour une bonne photo. Ok. C'est bon? La révolution sera médiatisée, j'ai toute la vidéo. Arrête de parler de photo. Allez, zoom-moi. Inigo. Ici, c'est Ameno, Mego. Regarde-moi. Non. Je suis fraîche, personne ne me peut. Non, comment quelqu'un ça? Quelqu'un ne peut pas me tirer non, du trône sûr, de mon non, frère. T'inquiète, nous sommes ensemble. Et c'est. Et bien sûr que non, personne ne dispute. Regarde, je suis fraîche. Oh. Idego. Imposteur. La plus belle de toutes les reines. Tout sur Instagram. Que ton règne vienne. La plus que belle que ton de toutes règne vienne, c'est un vieux car qui vient. Très bien. La les reine gars, la plus jeune ici. De toute la ville. Bougeons d'ici. La révolution la reine sera la plus médiatisée. Jeune de toute la ville. Hey. Ah ouais, oui, la Naomi Fulania. Oui, la Némi Fulania. Où est-ce qu'elle a eu toutes ses armes? Où est-ce qu'elle a eu toutes ses armes? Toutes ses armes, au point où elle a réussi à neutraliser toute ma garde personnelle. Elle les a neutralisées. En plus, elle était assise sur mon trône. Hey, bah, on m'a connu, non, Didi. Mwanyi Baraguna Amélie, Obelengo. Obelengo. Hey, 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 hey. Hey, bah. Où est-ce qu'elle s'est procuré toutes ses armes? Je vais la tuer. Je vais la tuer de mes propres mains. Je dois la tuer. Ngama ngobolobo. Ngobolobo anofia. Oye, Lise, allez-y. Mon roi. Hein? S'il vous plaît, calmez-vous. Hein? Calmez-vous. Vous ne devez pas vous mettre dans cet état à cause de cette fille. Vous savez que vous n'êtes plus aussi jeune. Vous pourriez avoir une crise cardiaque. Elle ne peut pas me donner une crise cardiaque. Elle n'est pas encore au niveau de me donner une crise cardiaque. Cette fille est un cafard. Cette fille est une fourmi. En fait, elle n'est rien du tout. Écoute, je sais quoi faire. Gébouya, je vais briser ses os et les donner à bouffer au chien. C'est ce que je lui ferai. Mais où est-ce que tu as terminé les bibiers? Hey! Calmez-vous. Le repas est prêt. S'il vous plaît, entrez manger. C'est d'accord, je viendrai plus tard. Hey! Mon roi. J'arrive! C'est bon! Hey! Hey! Allô, mais, moi, ma madame, mesdames, les mille. Hey! Okeke wane watenjo. Okeke wane ri watenjo. Hein? Kelene mambo talo. Woko wane du wane du baade tano. Hein? Oh, lingo wane teke wo. Même cela que j'ai donné à ma garde. Quel genre d'arme est-ce que c'est? Où est-ce qu'elle les a eues? Hey! Makumbolo bonano via.
Magungologonagovia, ole ole nigenabifi. Allô, mère, ma pita. Oui, mon fils, nous avons besoin de toi. Oui, tu dois rentrer aider ton père dans cette situation. Je sais que tu peux gérer ça. Cette fille a juré de lui rendre la vie impossible. Mère, qui est cette fille qui a choisi de rendre la vie impossible à mon père? Eh bien, c'est la fille d'Oloua, oui. Oh, mère, vous dites Oloua? A-t-il une fille? Oui, il a une fille, mais elle a été absente pendant des années. Ah, je vois. Mais il n'est plus Lonohu. Ton père lui a enlevé son titre. Pourquoi? Il... Oh, mon fils. Quand tu verras ton père, pose-lui cette question. Hein? Mais pas au téléphone. Tu dois venir. Maman, ce n'est pas aussi facile que ça. Tu sais, j'ai un tas de trucs à gérer ici. Hein? Quoi qu'il en soit, fiston, s'il te plaît, nous avons besoin de toi ici. Tu sais que ton père n'écoute que toi. S'il te plaît, essaye de venir. C'est d'accord, mère. S'il te plaît, c'est d'accord, hein? S'il te plaît, prends soin de toi. D'accord, mon grand. Bonne journée, maman. Nous t'attendons, ok? Merci. D'accord, mon cher. Apporte-moi un verre d'eau. Bon après-midi, Onoo. Dis que mon fils, viens, prends place. Je t'en prie. Merci, Onoo. Mm-hmm. Et Dike, quand cesseras-tu de m'appeler Onoo? Ne sais-tu pas que ce titre m'a été enlevé et a été donné à quelqu'un d'autre? Bien sûr que je suis au courant, mais le roi n'aurait pas dû vous faire ça. Ce n'est pas vous qui avez brûlé le marché, c'est votre fille qui l'a fait. Oui. Et Dike, j'ai donné naissance à une fille entêtée. Tu sais, elle n'écoute personne, y compris moi, son père. C'est très grave. En tout cas, j'aimerais la voir. J'aimerais parler en tête à tête avec elle. Tu veux dire que tu ne l'as jamais rencontrée? Pas vraiment, non. Vous savez, je la vois toujours à distance. On ne se connaît pas. Je comprends, Edik. Tu sais, parce qu'elle n'a pas grandi dans ce village. Je me disais bien. Elle vient d'ailleurs. Je me disais bien, Onoo. Écoute, tu vas l'attendre un moment et rentrera bientôt. Ok, je vais attendre. Merci, Onoo. Je t'apporte quelque chose à boire. Je vous remercie. D'accord. Merci, Onoo. Je reviens. Bon après-midi, Adézé. Oui, bon après-midi. Mon nom, c'est Ejike. Je suis le président des jeunes de ce village. Oh, président des jeunes. Luciamo. Adouake. Luciamo. Hein? Tu es le président des jeunes. Ça fait très très longtemps qu'on t'attend. Je pensais que le président des jeunes était un vieil homme. Et ce n'est que toi. Mais ça va, je souhaitais te rencontrer depuis longtemps. Mais il y avait toujours un truc qui déjouait mes plans. Hein? Nous avons tellement à nous dire, tellement de choses. Mais avant ça, laisse-moi t'accueillir comme il se doit. Luciamo! Wane, Ugugi, Asomte, Nauma. Mon pote, Luciamo. La prochaine fois, pense à nous apporter un truc. Mama, du fric, mama! Ah, tout ça pour moi? Quand on dit que le vrai règne vienne, c'est un vieux car qui arrive. Je veux que tu prennes ça. Écoute, j'aime les hommes sages. Écoute, quand je te regarde, je vois un homme calme, ouais. Je vois un homme sage. Tu comprends? Alors, je crois que moi, Zulaïlaïaïo, Tanko. Je sais que tu as appris ce qui s'est passé. J'ai brûlé le marché qui avait été construit par le roi. Cette terre appartient à mon père. Et c'est le plus grand terrain que nous avons dans ce royaume. Dans ce village, il s'en est accaparé de mon père. Je crois que mon père ne lui a pas vendu ce terrain. Il le lui a pris de force.
La brutalité royale. Il le lui a pris de force. Nous crions la brutalité royale. Adézé. Et si ton père avait vendu le terrain au roi? Alors où est l'argent? Wow! Ça a été médiatisé. Mon pote, on a besoin de preuves, des documents qui le prouvent. Jamais sans qu'Adézé ne soit au courant. Tu piges? D'accord, supposons qu'il lui a vendu ce terrain. Alors, le roi lui a sûrement donné des miettes. Il ne l'a pas vendu. Tu piges? Adézé, je t'ai entendu. Je vais transmettre ton message aux jeunes. Dis aux jeunes que je les soutiens avec cet argent. Qu'ils poursuivent le bon boulot. Tu es un homme sage. Rien qu'en te voyant, on le sait. Vraiment? Et j'aime aussi avec des gens sages. C'est clair? Je vais te rendre visite. Et je dirai aux jeunes que je viendrai les voir afin d'avoir une discussion claire. Est-ce que tu comprends? Merci. T'es bien, frère. Merci. C'est d'accord. Ok? Je viendrai leur rendre une visite. Ok. Merci, Adézé. Ouais. Je vais devoir m'en aller maintenant. On est quitte dans ce cas. À la prochaine. Ah, je viendrai, t'en fais pas. Tout ce que tu dis est fait, très sage. Prends soin de toi aussi. Merci. Prends-le en photo pour des preuves. Clair. Allez, prends-le pour des preuves. Je serai on le va médiatiser ça. Le vieux ma reine. Le règne vienne et... Ça va le faire, maman. Quand je viens, tout le monde est ok. Quand j'aurai l'argent, je vais le faire, maman. Fait. Avec l'argent, on a tout. Ichi, vous êtes tous les deux étonnés du fait que je sois là. Vous voyez, les gens disent que l'argent fait tout. Iziogu. Il n'y a rien que l'argent ne puisse acheter dans ce monde. Nogwe gono desosia. Ugo kenja ganozo. Vous comprenez? Onye biwu kenu nyeso. Ah oui. Vous savez tous comment le poste de mon père lui a été enlevé. Il est censé être le roi de ce royaume. Le trône sur lequel Mazi Azuka. Je ne prends pas cet homme pour un roi. Je ne le vois pas comme mon roi, ce n'est pas mon roi. Le trône sur lequel il est assis appartient à mon père. Iziogo. Mais il le lui a volé. On a toujours mis à Pâques. Je le veux de retour. Oui. Dans la paix. Adézé. Je suis quelqu'un de pacifique, si vous ne le saviez pas. Compris? Adézé, écoute-moi s'il te plaît. Tu es ma fille. Tout le monde sait que ton père est un homme bien. C'est vraiment un homme bien, pas vrai? Nous savons aussi qu'il aurait été un bon roi. En fait, la royauté était sienne avant qu'on ne couronne le roi Azuka. Hein? Mais les circonstances qui l'entouraient l'ont privé de ça. Lesquelles? Un prince. Un futur roi. Ne peut être couronné sans son fils. Malheureusement, ton père n'a pas eu de fils. Oui. Et c'est ainsi que la royauté a quitté votre famille. D'accord, d'accord. Mazé, à ce que je sache, l'ex-dirigeant de ce royaume était une femme qui s'avère être ma défunte grand-mère. Iziogo. Son père n'a pas eu de fils. Elle était l'unique enfant vivant. Néanmoins, on l'a couronnée. Elle a été couronnée.
Alors pourquoi? Pourquoi le changement? Pourquoi un changement vivant de la tradition? Écoutez, je veux ce trône. Ce trône appartient à mon père, Adaso Yaso. Adam Zizamzo. Bah Inoune de Konene. D'Olève. Écoutez, je suis une femme très pacifique, je vous assure. Je pratique la paix partout où je vais. Iziogo. Nous voulons un nouveau royaume, c'est tout ce que je te montre. C'est confirmé. Si c'est l'argent, j'en ai énormément. Écoutez. Prenez ça. Du cash. Vous voulez un chèque? Du cash. Encore plus. Et en chemin. Prenez. Ici, nous avons 200 000. 200 000. Tenez. Prenez, tout est médiatisé. La révolution sera médiatisée. Prenez. Plus et en chemin. J'ai toute la vidéo. Vous n'allez pas le regretter parce que plus est en chemin de la source où j'ai pris cet argent. Ouais, exactement. Je veux récupérer le royaume de mon père. Et je le veux rapidement. Ouais. Iziogo. Allez dire à vos aînés. Non, j'irai leur rendre visite. L'un après l'autre, Anamenefoma. Menefobiangli. C'est compris? Je reviens pour vous. Umejukanagwegu. Ne rigolez pas avec moi. Est-ce que vous pigez? On bouge. Que son règne vienne, nous ne voulons plus d'un vieux cas. Allez, on y va. Allez-y et passez ce message aux anciens. Je reviendrai et je veux une réponse. On a autre chose. Tout est médiatisé. La révolution est médiatisée. J'ai toute la vidéo. Vous en voulez? J'ai toute la vidéo. Batago. Hey! Vas-y. On n'est plus en sécurité. Je crois qu'on n'est plus en sécurité. Cette fille est vraiment sérieuse dans cette affaire. Nasson, elle n'est pas juste sérieuse, elle est dangereuse. Et parlant. Ami, allez. Bien, allez. Ami, allez, bé. Kakenego, regarde. On doit agir avec sagesse. Sagesse. Tu as raison, mon frère. Allô, si, bé. Agir avec sagesse. C'est de ça qu'il s'agit. Balayez bien cet endroit. Mon fils rentre aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Tout doit être en place. Balaie cet endroit comme il se doit. Et toi, va lui chercher de l'eau. Oh, je suis impatiente de voir mon fils. Dépêchez-vous. Oui, ma reine. Dépose ça là-bas. Allez, dépêchez-vous. As-tu apporté de l'eau? Oui, d'accord. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ah! Mon oncle n'entretient pas bien cette voiture ou quoi? Et je suis très loin de la maison. Oh merde. Oh. Lui c'est qui? Les mecs, ce gars est beau. Du calme, pas si vite. Waouh. C'est vraiment un très bel homme. Ouais. Il est vraiment très canon. Ce qui ne va pas avec sa voiture. Je sais que tu peux régler ça. Ouais, bien sûr. J'en ai marre.
Nous venons en perle, ne t'inquiète pas. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta voiture? Ozo, répare la voiture. Mama. Répare la voiture. D'accord. Dépêche-toi. Je ne sais pas. Ne t'en fais Monsieur, surtout nous pas, venons en paix. On veut juste t'aider. Nous venons te soutenir. Alors qu'arrive-t-il à ta voiture? Mon frère, je ne sais pas. Quand je suis arrivé là, la voiture... Elle s'est arrêtée. J'ignore quel est le problème. Vraiment? C'est qui elle? En fait, c'est la dame de fer, notre boss. Votre nous n'avons pas de temps à perdre. Ouais. Dépêche-toi, ok? Et pourquoi nous tourner le dos? Tu pourrais venir nous aider. Je ne suis pas mécanicienne, monsieur. Mes hommes peuvent le faire, ok? Ouzo, ne me perds pas le temps. C'est bon, maman, j'ai presque terminé. S'il te plaît, je peux voir ton visage? Pourquoi? S'il te plaît, j'aimerais voir ton visage, s'il te plaît. Pourquoi veux-tu voir mon visage? Tu es tellement belle. Et pourquoi veux-tu voir mon visage? S'il te plaît. Je peux avoir ton nom? Je n'ai pas de nom. Bialbom. Ouais, maman. Où son règne vienne, c'est le vieux cas qui arrive. Tu n'as pas encore fini avec cette voiture. Hé, maman, j'ai bientôt terminé. Fais-le bien, s'il te plaît. Ah, mon vieux. S'il te plaît, viens démarrer ta voiture. D'accord, je vais le faire. The king is defeating one of the first. The king stole the throne away from my father. And I will fight to get it back to Baba. No matter what they do, I will surely come. Hey! Qu'est-ce qui retient mon fils? Ah ah! Mère, êtes-vous sûre qu'il rentre toujours aujourd'hui? Oui, la dernière fois que je lui ai parlé, il a dit qu'il était à côté. Attends une minute. Et si jamais mon fils avait été enlevé? Oh mon Dieu! Mais non! Oh mon Dieu! Alors qu'est-ce qui le retient? Oh! Ça doit être lui! Oh! Mon fils est de retour! Oh! Je le savais! Je le savais! Oh mon Dieu! Mon fils est de retour! Je le savais très bien! Oh mon Dieu! Je le savais! Oh mon Dieu! Odogunwamo! Oh mon Dieu! Odogunwamo! Oui, oui! Regarde-toi! Oui, oui! Viens là, viens là, viens là, viens là! Oh mon fils adoré! Laissez-le descendre! Laissez qu'il descende! Un grand homme! Odogunwamo! Odogunwamo! Viens ici! Viens là, mon fils! Oh mon fils adoré, tu m'as manqué! Merci, merci! Oui, Lindia! Mon regarde-toi! Fils. Et boulot, ou les rôles des Oh, fais donc, viens là. Oh, oh, tu m'as tellement bien. Manqué. Maman. Sois le bienvenu. Tu as très bon. Comment vas-tu, mon chéri? Je vais bien, maman. Fiston, tu te souviens d'elle? Oui, bien sûr. Princesse Mercy,
du royaume de l'ombre. Exactement. Oh, comment tu vas? Je vais bien. Ça, c'est bien. Oh, ouais. Oh, s'il vous plaît, allons à l'intérieur. Allez, allons fêter ça. Le grand fils à son papa. Eh oh. Allez dresser la table et faites entrer ses valises. Ah, maman, tu y es bonne, oh. Tu me prends une photo? Et mon père est à la maison aujourd'hui. Et nous sommes tous contents que vous soyez là. Nous ne vous suivrons jamais. Clodas des choses. Prends la photo du jour. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Un dame. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu dors à cette heure? Regarde, allez, regarde ta montre. Je ne dormais pas. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Oui. Non, non, c'est pas sûr. Ah, oui, non. Maman, lequel? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. On dirait que ce mec qu'on a vu aujourd'hui m'a envoûté. Ce mec m'a fait ressentir des trucs. Je ne comprends pas. Son visage m'a l'air familier. On dirait que je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne sais où. Je crois qu'il doit être de cette communauté. Non, impossible, non. Je ne crois pas. Tu en es sûr? Les dieux ne peuvent pas bénir ce royaume avec une telle beauté. Il est trop chou. J'aurais aimé le revoir encore une fois. Oh, je peux sentir l'amour dans l'air. Hé, 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 hé. Mais t'exploser la cervelle. Maman, je vais t'exploser la cervelle. Maman est amoureuse. Allah. Tu m'étonnes. Maman, tu n'aurais pas dû partir comme tu l'as fait. Voyons. J'étais timide. Je ne pouvais pas le confronter. Kai, maman, c'est toi qui dis ça. Nako, regarde, regarde comment maman agit comme une fillette. C'est incroyable. Alors voyons, je n'agis pas comme un gosse. Je ne pouvais pas juste te regarder droit dans les yeux. Je souhaite le revoir encore une fois. Viens, Ouzo. As-tu par hasard pris son numéro? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu en es sûr? Foutaise! C'est incroyable, maman. C'est l'un de ces trucs, les sentiments viennent puis ils repartent. Ça sent les embrouilles. Ce n'est pas permanent. C'est comme ça que ça m'a... Ces jours, je ne te comprends l'amour pas. L'amour n'a pas de carrefour. Pas. L'amour n'a pas de carrefour. Mais où sont les cartes pour qu'on se fasse une partie? Dès qu'on finit, on ira les chercher. Mais en passant, prenons la photo du jour. Mec, prends-nous une photo de ce groupe. C'est dans la boîte. Ça, c'est sérieux, père. Père, se rend-elle compte qu'elle est une femme? Et qu'une femme ne peut pas diriger ce royaume? Mon fils, Ezemura non quoi? Elle se bat pour son père. Elle se bat pour son père. Et qu'a dit son père sur ce sujet? Eh bien, il soutient entièrement sa fille. Il est derrière tout ça. La fille n'est pas seule dans cette histoire. Non, la fille n'est pas toute seule. Je vois. Je vois maintenant pourquoi vous lui avez enlevé le titre d'Ono. Je devais le faire. Pour sécuriser le trône. Oui, je devais pour sécuriser le trône. Parce que cet homme est très difficile. Oui. Il pouvait même m'empoisonner juste pour accéder au trône. Mana Nagebodo. Nagebodogo. Aguadema Kadabe. Vous avez fait ce qui est juste, père. Je pense que vous avez fait ce qui est juste. À présent, père, c'est qui le nouveau Onoo? Ichie Naka. Oh. C'est un nom bien également. C'est un nom bien. Père, vous n'avez plus à vous inquiéter pour quoi que ce soit. Au moins, je suis de retour. D'accord? Je te fais confiance, mon fils. Je vais m'assurer de tout arranger maintenant, père. D'accord? Ne vous en faites pas, père. Je vais aller voir Itié Eloi et sa fille aujourd'hui. Ok. Ne vous en faites plus, père, ok? C'est d'accord, mon fils. Je sais de quoi tu es capable. C'est d'accord. Ok, père. Laisse-moi aller voir maman. D'accord. Oh.
What do we do now? Bitch, what's it gonna hey, I defend men. Which one do I choose? The throne or the love of my life? So which one do I go for? Justice or my family? Yeah. Somebody tell me what to do. Oh, yeah. I which way to go? Mon prince, vous êtes retour. Bienvenue. Que me vaut l'honneur de cette visite? Désolé. Ite Eloa, mon père m'a expliqué tout ce qui se passe dans cette ville. Que votre fille le combat pour qu'il descende du trône pour vous. Désolé, mais je ne vous ai pas connu comme ça. Ite, comment pouvez-vous mordre les doigts qui vous en auraient? Après tout l'amour que mon père et moi nous vous avons donné. Pourquoi? J'ai dit à ma fille à plusieurs reprises, doubler le trône. Je ne suis plus intéressé par le trône. Alors, pourquoi votre fille se bat-elle pour ça? Si c'est le cas. Je lui ai dit tellement de fois, doubler cette histoire de trône. Je suis désolé pour tout le mal qu'elle a pu causer à votre famille. Il est encore difficile pour moi de vous croire. Elle n'est pas seule. Je crois que quelqu'un l'incite à le faire. Sinon, comment aurait-elle pu brûler le marché construit par mon père pour la communauté? En fait, je veux la voir. Où est-elle? Désolé, mais elle n'est pas là. Alors vous lui transmettrez mon message. S'il vous plaît, dites-lui que je veux la voir une fois qu'elle sera rentrée. Hein? D'accord. Je lui passerai votre message. Adézé. Je lui ai dit d'oublier toute cette histoire, mais il ne m'a pas écouté. Ça sent les problèmes. Ça sent les problèmes. Hein? Adézé, pourquoi tu fais ça? Salut. Bonjour, mon prince. Oh, princesse Mercy, comment ça va? Je vais bien. Et vous? Je vais bien. Mais je te croyais partie. Oh non, je suis bel et bien là, mon prince. Je vois. J'espère que tu te plais ici. Oui, je suis au petit soin. C'est super. Si ça ne vous gêne pas, j'aimerais qu'on se tienne compagnie. Oh oui, bien sûr. Ouais, il me semble que plein de choses ont changé au royaume. Oui, c'est parce que vous avez été longuement absent. Mais je suis tellement contente de revoir votre joli visage. Oh, merci. Alors dis-moi, que fais-tu dans la vie? Je suis un docteur en médecine et j'ai étudié à Londres. Waouh, c'est super. Tu es très belle. Et tu m'as l'air très intellectuelle. Merci, mon prince. Je t'en prie. Alors, dis-moi, comment vont tes parents? Ils vont bien.
Oh, fiston. Oui, maman. Tu vas quelque part? Ouais. Habillé comme ça, comme un homme ordinaire. Voyons, mon garçon, comment les gens sauront que tu es le prince royal de ce royaume, l'héritier au trône? Mère, mais tu devrais déjà me connaître, maman, toi aussi. Maman, je suis un homme simple. Hein? D'accord, fiston. Et qu'en est-il des gardes? Bats-tu avec eux? Pas besoin, mère. J'ai besoin d'intimité. Alors, amène Princesse Mercy avec toi. Non, maman. Merci. Je veux être seule. S'il te plaît, sois prudent. Ok, maman. D'accord. À tout à l'heure, hein? Ok, fiston. Ok, maman. Que ça veut dire? Pourquoi tu nous bloques le passage? Est-ce ta route? Oh, tu es encore plus belle quand tu es nerveuse. En passant, tu as oublié de me donner ton nom la dernière fois. Donc, je suis restée là 3 heures de temps pour revoir ton joli visage. Alors, dis-moi, es-tu de ce royaume? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Mon père est un officier local du gouvernement. Ah, vraiment? Alors, je fais quelques business par ici. Oh, je crois que je t'aime bien. Très drôle. Comment peux-tu voir quelqu'un pour la première fois et commencer à l'aimer? Juste comme ça. Ce n'est pas possible, amour. C'est impossible. Je crois que je t'aime bien. Tu sais, j'aimerais un peu plus te connaître. Parle-moi un peu de toi. Je peux avoir ton numéro? Je m'appelle Idioma. Bien. Donne-lui mon numéro. Prends note. Merci. 00 68. Ouais, t'occupe pas de moi. 00 68 56. D'accord. 49. Ok. 32. 49. Au moins, non! Magino Duga, mon égabili! Non, non! Pas tant que je suis en paix! Ça c'est! Oh, Imba! Mba! Mon roi, calmez-vous, s'il vous plaît! Pourquoi me demander de me calmer? Me calmer de quoi? Pourquoi devrais-je me calmer? Pourquoi il faut que je me calme? À cause de ce rat d'égout! Dis-moi pourquoi, 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 pourquoi? Vous savez que vous n'avez plus de l'énergie. Hein? Ce n'est pas possible! Hey! Hey! Père, qu'est-ce qu'il y a? Fiston, Dieu merci, tu es là. Qu'est-ce qu'il y a, père? Obioronababuanagi! Que s'est-il passé? Obina, mon fils, obina, wagonago! Mbiribati, wefi, kunanya! Père, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Cette fille, je vais m'assurer qu'elle n'existe plus jamais! Cette fille, c'est moins que rien! Je vais en finir avec elle! Je vais la tuer! Elle est une idiote! Papa, que s'est-il passé? Ce n'est pas cette fille! La fille de Oluwa! Oui. Cette fille me défie! Tu sais ce qu'elle a fait cette fois? Elle a incité toute la jeunesse à désobéir à mes ordres! Mère! Elle les a poussés à dire non à mes ordres! Comment? Le leader des jeunes m'a écrit que je suis un escroc, qu'ils ne me payeront plus les taxes. Oui, qu'ils les payeront désormais au gouvernement, mais plus à moi. Que je fais ceci, que je fais cela, il a dit beaucoup de choses. Et je suis à 100% sûr que Adaese est celle-là même qui les a incités. Elle est celle-là même qui les a influencés à faire tout ceci. Obina, mon fils, Ago. Obina, mon fils, Ago Mwam. Tu es un jeune. Et le futur héritier de ce trône. Vas-tu rester et observer quelqu'un? Humilier ton père et l'insulter sans ne rien faire? Non. 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 Garde, ouvrez ce portail. Hey. Hey. Ouvrez ce portail. Calmez-vous.
Ne croyez-vous pas que vous mettez la vie de ce garçon en danger? C'est mon fils unique. Je ne veux pas que quelque chose lui arrive. Cette fille est une brute. Arrête de dire ça! Qui qu'elle soit, je sais de quoi mon fils est capable. Il est capable! Alors arrête de sous-estimer mon fils. Arrête de le faire se sentir comme un bébé. Permets-lui de se lever. Arrête d'interférer. C'est un homme. Non. Ok. Omalamanembea. Ça va. Non. Votre majesté. Jamais. Calme-toi. Mwandi. Mwangera yuma amili. Un petit temps. Non. Vous n'êtes plus si jeune. Mon roi. Mon roi. Où est-elle? Allez, sors! Sors et viens m'affronter! Itché, où est votre fille? Dites-lui de venir faire face à Obiora. Je veux savoir à quoi est-ce qu'elle ressemble. Demandez-lui de sortir face à Obiora. La dernière fois, je suis venu en paix. Mais vu qu'elle ne veut pas la paix et qu'elle veut la guerre, bah, je vais lui donner la guerre. Qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Oh! Votre fille a empêché les jeunes de payer les taxes à mon père. Elle accuse mon père d'arnaquer leur argent durement gagné. Hein? Tout le monde dans ce royaume connaît mon père comme un roi sincère et honnête. Oh! Elle veut traîner le nom de mon père dans la boue, c'est ça? Hein? Je sais pas quoi dire. Je manque de mots. Oh! Je vois. Maintenant, préparez ses funérailles. Hein? Parce que la prochaine fois, elle sera morte. Hu! On va pas en arriver là. Je vous en prie. Mon prince, je vous en prie. Je ne veux pas que ma fille meure. Je ne veux pas la voir mourir, s'il vous plaît. Hades, tu joues à cache-cache, pensant que je porte encore de l'intérêt pour le trône. Mais je ne suis plus du tout intéressé. Tu ignores qui est le roi Asoka. Il se fiche de qui vit ou qui meurt, y compris son propre fils. Cet homme a vendu son âme au diable. Je peux me souvenir de ce que cet homme m'a fait. Père. Je sais que tu me caches quelque chose. Mais n'aie pas peur. Je peux combattre ces gens. Dis-moi ce qu'il y a. Dis-moi ce que tu me caches. Enfin de savoir par où commencer, ce qu'il faut faire et comment combattre en retour. Je t'en prie. Ce roi a battu ta mère à mort et a menacé de te tuer si je ne lui cédais pas ce trône. Je n'ai pas eu d'autre choix que de lui céder le trône, parce que tu étais tout ce qui me restait. C'est pourquoi j'ai dû t'envoyer loin de ce village à ton jeune âge. Il m'a fait le no-wu de ce royaume juste pour contrôler mes mouvements. Les anciens et les jeunes sont de son côté. Il travaille avec le gouvernement. Il est très puissant. Il m'a forcé de quitter le palais. Palais qui a été bâti par ma mère. Cet homme est méchant. Père, t'as pas besoin de t'en faire. Tu as encore une fille. Je suis forte. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ton soutien. Pour combattre ces gens, je vais les écraser. Je vais les écraser et récupérer ce qui nous revient de toi. Écoute, père. Je dois venger la mort de ma mère. Oui. Le roi Asoka doit payer amèrement pour ce qu'il a fait à ma famille.
Édiqué. Oui, mon prince. Tu es le président des jeunes. Mmh. Je t'ai invité ici pour savoir ce qui se passe. Que se passe-t-il? Particulièrement avec la jeunesse. Comment peux-tu laisser les choses dégénérer de la sorte? Les jeunes vont maintenant à l'encontre du roi. Ce qui n'est jamais arrivé dans cette communauté. Mon père est un grand roi pour cette communauté. Il se soucie du bien-être de tout le monde. Toutes les taxes payées à mon père sont remises au gouvernement. Alors, pourquoi tout ça? Mon prince, vous savez que vous avez été absent pendant des années de cela. Et un tas de trucs s'est produit dans ce village dont vous n'êtes pas au courant. D'autres communautés payent leurs taxes au gouvernement et absolument rien de plus. Donc, nous avons besoin du changement. Mon prince, nous avons besoin du changement. Je sais qui est derrière tout ça. La fille d'Ité Ono vous a fait un lavage du cerveau. Mais figure-toi, elle le fait juste pour ternir l'image de mon père. Eh bien, mon prince, je ne suis pas au courant de ça. C'est entre le roi et la famille des lois de résoudre les choses entre eux. En ce qui nous concerne, jeunes, tout ce que nous demandons, c'est le changement. Et nous sommes d'accord à l'unanimité pour ce changement. Et ce sera tout. C'est ça notre décision. Cela dit, vous avez décidé d'aller à l'encontre des ordres du roi? Eh bien, mon prince, si c'est comme ça que vous voyez les choses. Mais tout ce que nous voulons, c'est le changement. What do we do now? Which way to go now? I defend men. I. Salut, ma chérie. Allô, c'est qui? Devine qui? Oh, je vois maintenant. Alors, comment tu vas? Je vais bien et toi? Bien. Attendais-tu mon appel? Non. Pourquoi? Oh, donc je ne t'ai pas manqué? Je vous demande pardon. On vient de se rencontrer, je te signale. Épargne-moi tout ça. Oh, mais à moi aussi. Dis-moi, peut-on se voir? Je te demande pardon, tu veux qu'on se voie? Oui. Quel jour? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Ouais. Genre, maintenant? Je suis sérieux, là. Ok, d'accord. Merci. T'en prie. Alors, dis-moi, chérie, comment tu as fait? Faire quoi? Je ne comprends pas de quoi est-ce que tu parles. Ma chérie, tu as capturé mon cœur aussi vite. Alors dis-moi, comment tu as fait? Je ne suis pas une magicienne, alors comment? Ah, je vois. Ou peut-être parce que je suis belle? J'imagine. Ta beauté, elle est tellement renversante. Merci. Tu sais, tu es magnifique comme j'aime. Ça se voit de partout que tu viens d'une famille riche. Je t'ai dit que mon père est... un officier local du gouvernement. Oh. Alors, nous sommes riches. Tu l'as dit, oui, ça me revient maintenant. Tu l'as dit, oui. Tu crois que ton père va m'accepter si je viens chez toi? Ah, bien sûr. Il n'a pas le choix que d'accepter l'homme que j'aime. Oh mon Dieu, je vais rougir. Je vais rougir. Oh, oh mon Dieu. Ça, c'est mon bébé. J'ai hâte de le rencontrer. Obiora, mon fils. Père. Azma mago na mago. Nabwa hanirike turukuruku. Anebule na tuluku gunebudwa bakangwa. Obiora kenifenemwen. Qu'est-ce
Quel genre de fils es-tu, Aboubakar? Quel genre de fils tu es? Hein? Je t'ai donné une tâche aussi simple. Une tâche aussi simple. Tu es incapable de l'accomplir. Tu es incapable de remplir cette tâche. Maintenant, dis-moi. Est-ce de cette façon que tu vas gérer ce trône lorsque je ne serai plus là? Est-ce de cette manière-là que tu vas me représenter? Si c'est de cette manière-là, alors tu ne t'en sortiras pas. Hein? Regarde-toi un peu. Les jeunes continuent à insister. J'ai eu une réunion avec les anciens et tous se sont rangés contre moi. Parce qu'ils ont été achetés par cette bon à rien. Oui. Regarde-toi. Tu étais censé prendre part à cette réunion pour les éduquer sur comment les choses doivent marcher. Mais toi, tu as disparu pour je ne sais où. Quel effort. À quoi mon mollet? Père. Père, j'ai quelques questions à vous poser. Je t'écoute. Y a-t-il des choses, père, que vous ne me dites pas? Hein? Père, des personnes se plaignent dans notre société. Et beaucoup de choses ont changé. Papa, oui, papa, dites-moi pourquoi? Pourquoi ne laissez-vous pas les gens payer directement à l'hectare ce gouvernement? Plutôt, pourquoi? N'est-ce pas la meilleure chose à faire? Au moins, le prélèvement du développement nous sera versé pour avoir pris soin de la communauté. Si c'est ce qu'ils veulent, on fait comme ça. Hein? Obiora torgomogi. Obiora bonyala. Ah! Il fallait que me kweno. Regarde-toi. Non. Tu es insensé. Tu es stupide. Tu n'es absolument rien. Je te dis la vérité. Regarde-toi. Le bébé Nagou voulait vous n'aider à Damaka, moi. Oui. Ago Namago. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu sais du gouvernement? Quel est le gouvernement? Je suis le gouvernement. Tout ce que je dis se fait. On fait Goulou gagner moins. Il n'a pas là. Toi. Mère. Oui. Maman, tu sais, je ne comprends plus du tout, père. Mais maman, père a changé. Maman, ce n'est pas mon père que je connais. Je commence à voir les choses différemment. Maman, j'ai écouté des gens avec des histoires différentes. Hein? Le problème est que papa se voit maintenant comme le gouvernement. Pourquoi? Calme-toi, mon garçon. Calme-toi. Tu sais, je sais que ton père peut se tromper des fois. Mais ne te base pas sur ce que disent les gens. Tu sais qu'ils n'aiment pas ton père. Ils le détestent et ils le veulent hors de la scène. En ce moment, ton père a besoin de toi plus que jamais. Tu dois soutenir ton père. Hmm? Ne laisse pas ce siège nous passer entre les mains. S'il te plaît, mon fils. Et souviens-toi. Tu es le prochain sur la lignée après lui. Et je crois qu'avec toi, tout ira pour le mieux. Ok? Bien sûr, mère. Après tout, maman, je vais soutenir mon père. Bien. Maman, tu sais, j'essaie juste de corriger ses erreurs. C'est d'accord, mon fils. C'était juste en passant. Maintenant, dis-moi, que penses-tu de la princesse Mercy? J'aimerais que vous fassiez plus connaissance. Maman, tu plaisantes là, hein? Non, je suis sérieuse. Maman, je n'ai pas la tête à ça pour l'instant. Oh, allez, fiston, oublie ça, tout ira bien.
Adèze, il y a quelque chose que j'aimerais te dire tout de suite. Le roi Azuka a pris bien plus qu'il en fallait. Écoute, désormais, je suis prêt à reprendre ce trône qui me revient de droit. Oui, je suis prêt à mener cette guerre avec toi. Oui! J'ai fini de nettoyer. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit que moi, Eloua, est prêt à reprendre ce trône qui me revient légitimement. Nous mènerons cette bataille ensemble. Hey! Papa, dis-moi que c'est une blague. Ne rigole pas. Réveille-moi de ce rêve. Oui, tu m'as réveillé. Hey, je suis prêt à reprendre mon trône. C'est une bonne nouvelle. C'est moi! C'est moi! Yeah! C'est moi! Père! Hé, hey, Bouka! Hé, Eloua! Hé! Hey. Où êtes-vous? Hé, hey, Bouka! Qu'est-ce qu'il y a? Mes frères, qu'est-ce qu'il y a? Parlez-moi. Actuellement, je me sens bien, je ne veux rien qui puisse m'énerver. Est-ce que le roi était là? Non, mais il ne s'agit pas du roi. Non, tu te souviens, tu nous as demandé de venir surveiller ton père. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu es allé voir ton ami, maman, nous sommes venus ici et nous n'avons pas trouvé ton père. Nous avons cherché partout, nous avons fait le tour, mais nous ne l'avons pas vu. Jusqu'à présent, on n'a pas de ses nouvelles. Rien jusqu'à présent. Nous avons essayé de t'appeler, mais ton numéro ne passait pas. Que viens-tu de dire? Je te jure, Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Vas-tu me dire que mon père a disparu ou quoi? Maman... Qu'est-ce que tu racontes? Nous avons essayé de t'appeler. Nous avons insisté. Maman, allons le chercher. Que ton téléphone était éteint. Mon père ne peut pas se perdre. Atineke figena boun. Si quelque chose arrive à mon père, je vais tous vous tuer. Kredi mounoueba. Qu'est-ce que vous racontez? Maman, il n'est pas... Maman, il n'est pas à l'intérieur. On a fouillé partout, il n'est pas à l'intérieur. Tu dis quoi? Il n'est pas à la maison. Il n'y est pas. Mon père a disparu. Allons le chercher, allons-y. On n'a pas le temps à perdre. Allons-y. Aïe! Je vous en supplie. Je vous en supplie. Adèze va tuer. Je suis mort. S'il vous plaît, ça va, ça suffit. Dis-moi, que fais-tu là? Hein? Vous voir, bien sûr. Pour me voir, pourquoi? Dans ma chambre? Pourquoi n'as-tu pas attendu que je sorte? Je vous ai tellement attendu. Il vous a fallu du temps pour me remarquer. Je suis folle amoureuse de vous. S'il te plaît, arrête. Tu es trop grand pour ce genre de choses. Ne te rabaisse pas de la sorte, d'accord? Non, mon prince. Mon corps et mon âme ne désirent que vous. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. S'il vous plaît. Arrête. Ça ne m'intéresse pas, s'il te plaît. Oh, vraiment? Je ne suis pas intéressé. Où est le roi? Où est ce maudit roi? Eh bien, nous sommes là. Où est votre mari? Ne. Femme, où est votre mari? Ne. Thank you.
Attends, d'où sort cette voix? Je pense que ça vient de dehors. J'ai dit, où est le roi? Parle avant que je t'explose la cervelle. Je sais qu'il détient mon père. Il a kidnappé mon père. Hey, comment ose-t-il kidnapper mon père? Où est ton mari? Parle, ou sinon je t'explose la cervelle si tu ne dis rien. Ma fille, calme-toi. Calme-toi. Le roi n'est pas là. Il est mieux placé pour répondre à toutes tes questions. Alors, appelle ton fils. Je veux voir ton fils tout de suite. Allez, dépêchez-vous. Tu dois partir maintenant. Pars, s'il te plaît. En fait, je dois savoir à qui appartient cette voix. S'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi une chance. Stop, sors de ma chambre. Je veux m'habiller, s'il te plaît. S'il te plaît. De grâce, sors de ma chambre. Mon fils, il n'est pas là non plus. Il est allé avec son père. Regardez-moi cette femme! Oh, que mon règne vienne avant que le vieux Karl arrive! Je vais t'exploser là! Ramenez-moi mon père avant que je n'explose ta cervelle! Je t'ai dit alors qu'il n'est pas ici. Alors tu devrais savoir où se trouve mon père! Je n'en ai aucune idée. Calme-toi. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon, maman. Mais qui c'était? Oh, fiston. Hein? Mon fils, viens. Mère, j'ai entendu une voix d'en haut. Qui c'était? Fiston, Dieu merci, tu étais en haut. Quand elle était ici, elle est venue avec une arme. Qui? La fille d'Oloua, bien sûr. Cette fille a perdu la tête. Hey, c'est quoi ce maman, qu'est-ce qu'elle amène ici? Elle dit que son père a été kidnappé par ton père. Elle a menacé de tous nous tuer si on ne le lâche pas. Maman, je ne comprends pas. Son père est ici? Quoi? Pourquoi? Quelqu'un est venu dire à ton père que Kelua s'est allié à sa fille pour le détrôner. Il a ouvertement avoué qu'il veut le trône. Alors, en colère, ton père a demandé aux gardes d'aller le chercher. Non, mère! Non, maman, je n'approuve pas cela, maman! Je n'approuve pas cela! Maman, papa n'aurait pas dû faire ça! Maman, il y a plusieurs manières de régler ce genre de choses. Mais pas comme ça, maman. Que diront les gens? Maman, nous connaissons tous la situation en ce moment. La majorité du peuple travaille avec eux actuellement. Ceci se retournera contre nous, maman. Pourquoi? Mon fils, tu sais comment ton père peut être têtu. J'ai essayé de lui parler, mais il a refusé. Alors, où est cet homme? Dans la cellule. Fiston. Où est le roi? Où est ce maudit roi? Femme, où est votre mari? J'ai dit, où est le roi? Cette voix m'a l'air très familière. Je peux voir que tu t'en fous de ce qui se passe dans ce royaume. Hein?
foutaise. Pardon, je ne connais pas. Dis-moi où est mon père ou sinon j'explose ta cervelle. Tu penses que je rigole avec toi? Anana, pourri. Comment est-ce possible? Hier, vous êtes venu chez moi et mon père vous a dit qu'il est intéressé par le trône. Aujourd'hui, il est porté disparu. Je vais te poser la question pour la dernière fois. Tu ferais mieux de parler. Je suis à deux doigts d'enflammer tes yeux. Maintenant, parle. Je vais parler. Je sais que l'on est ton père. Je sais, mais j'ignore où il est exactement. Je l'ignore. Je vous assure que j'ignore où il peut être. Je l'ignore. Je ne sais pas. Je l'ignore, ma fille. Je ne peux pas te mentir. Dépose ton arme, s'il te plaît. Pardon, dépose. Donc le roi a pris mon père en otage. Le roi détient mon père. Oui. Hey! Pour des preuves, prends une photo. Tout est médiatisé, vous le savez. J'ai toute la vidéo. Ok. Hey! Vas-y, file. Hey! Qu'est-ce que j'ai même fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour mériter toute cette méchanceté? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça n'est même pas de ma faute! Ni même l'instigateur! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Hey, fiston, tu es là? Oui, mère. Oui. S'il te plaît, peux-tu décrire la fille de loi pour moi? Oh, oui, elle est de teint clair. Grossière et arrogante. Oui, c'est ce qu'elle est. Marche-t-elle avec des armes? Oui. Pourquoi? Non. Non, mère. Non, cet homme doit être relâché. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, fiston. Tu ne peux pas faire ça en l'absence de ton père. Non. Il ne trouvera pas ça drôle. Non. Tu pourras le faire à son retour, ok? Non, mère, nous devons relâcher cet homme. Immédiatement. Fiston, tu ne m'as pas dit ce qui se passe. Mère, tu ne peux pas comprendre. Je te le dirai plus tard. S'il te plaît, où est la clé? De quelle clé est-ce que tu parles? Mère, où est la clé de la cellule? Ça doit être dans la chambre de ton père ou quelque part. Je vais la chercher, s'il te plaît. Fiston. Mais qu'est-ce qui arrive à ce garçon? Hein? Je lui ai dit de ne pas le faire parce que son père n'est pas là.
tous sont brûlés. On va envahir ce palais. Et toi? On va envahir ce palais. Toi? Vous avez kidnappé mon père. La révolution est médiatisée, j'ai la vidéo complète. Vous avez kidnappé mon pauvre père. Est-ce que vous en voulez? Vous avez kidnappé. Est-ce que vous en voulez? Je vous le jure, vous allez me le payer. Je vous le jure, mes baboulabamou, ma zé. Je vous le jure. Je vous le jure. Ce n'est pas fini. Vous allez le payer. Vous allez le payer. Vous allez le payer. Allons-y. Passe-moi là. Vous allez le payer. Passe-moi là. Allons-y. Ce n'est pas encore fini. Allons-y. Ce n'est pas encore fini. Vous allez le payer. Hey. Vous on allez va le détruire payer. Ce royaume. Vous pigez. Hey. Piston, tu vois ce que tu as fait. Tu vas le regretter. Ce n'est pas encore fini. La guerre ne fait que commencer. On va brûler ce royaume. Baron. On va détruire ce royaume. Allez, on bouge. Retournez à vos postes. Oui, Adézé. N'est plus là. Kemo. Quelle douleur. Ah, soyez un homme, soyez un homme. Ouais, désolé. Ce roi est méchant. Ces gens sont vraiment de en fait, ce roi est un tyran. Tout à fait. Ah, ça s'appelle de la violence royale. De la violence royale. Je n'arrive plus à m'asseoir. Ces gens... Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit problème. Relax. Maman, c'est un petit problème. Ce n'est rien, maman. On leur fera une petite visite bientôt, t'inquiète. On leur fera une visite très bientôt. Maman, t'inquiète. C'est un petit problème. Pourquoi tout me tombe dessus? Oloa, soyez fort. Vous êtes un homme, hein? Vous êtes un homme. Oui, vous êtes un homme. Hein, pour l'épreuve. Des aimants presque tués. Tout ce qu'on fait médiatisé. Des photos. Pour l'épreuve, pour l'épreuve. Prends des photos. Bien, bien. Oh. Hey! Mon roi, je vous en prie, calmez-vous. Vous allez lui faire mal. Je vous en prie, mon roi. Obiora! Tu n'es qu'un fils inutile. Bon à rien. Comment oses-tu? J'aurais souhaité ne jamais avoir un fils comme toi. Tu es une déception totale. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu es avec moi ou contre moi? Tu es parti libérer un ennemi que j'ai enfermé sous mon dos. Et ceci sans mon consentement, toi? Est-ce que tu connais l'ampleur de ce que tu as causé? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Imenegoni wala alo! Oh. Écoute-moi. À partir de maintenant, je ne voudrais plus jamais voir ta face. Alors disparais très vite. Je ne voudrais plus jamais te revoir. Ha, mon roi, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on me laisse seul. Vous tous, dégagez de ma vue. Tout de suite! Oh! Longue vie à la reine! Longue vie à toi! La femme lion! Longue vie! Hey! Que ton règne vienne et que ton règne durera jamais. Les gars, si c'est chez moi, je n'ai peur de personne. Faites comme chez vous. Vous êtes les bienvenus. Ici, c'est chez moi. Personne ne pourra rien me faire. Est-ce mais que ça, c'est clair, hein? Ma défunte grand-mère, cet endroit, lui appartenait. Ouais. Les gars, profitez-en. Tout. Prends-nous je dis bien photo. Tout. Prends-nous en photo. Ah.
La photo du jour, il boit à ta C'est encore quoi cette abomination? Prends une autre photo. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Toi, rat! Toi, espèce de rat d'égout, tu oses me défier? Tu oses me défier? Tu me défies? Pourquoi creuses-tu ta tombe en essayant de causer une guerre que même ton père n'a même pas osé? Maintenant, descends de mon trône! Tu vas déguerpir de là où je te réduis en miettes! Où je te réduis en miettes! Arrête d'aboyer comme un idiot! Quoi? Vous l'avez dit la dernière fois et vous n'avez rien fait. D'ailleurs, cet endroit n'est pas ta maison. Cette maison, ce palais, appartient à ma défunte grand-mère Adoumoigne. Maman, parlez. Donc j'ignore ce que vous réclamez. Que réclamez-vous exactement? Vous faites comme si vous avez de l'argent et que cette maison vous appartient. Pourtant, vous n'avez même pas un naira. Pauvre vous. Je te jure. Je vous assure. Tu déconnes. Je vais vous prêter de l'argent. Est-ce que c'est clair? Quoi qu'il en soit, je suis pas là pour vous. Je suis là pour voir votre fils. Je suis là pour voir votre beau prince. Je suis ici pour... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ferme-la, sinon je vais te tuer. Je suis venu pour voir. Ou bien a-t-il peur de la tigresse? Anatoine est où? Oh, je suis une tigresse. Vas-tu arrêter ces conneries? Onatugotu. Oui, Neko. Tout est médiatisé. Onatugotu. Awamate. La deuxième partie sortira bientôt. Je vous présente. Et voici le beau prince. Toi. Nyanifini nini nonobi. Ifini nobi kalengi. Donc... Tu as le toupet. Je dis bien, tu as eu le culot de kidnapper mon père et le torturer comme tu l'as fait. Ah! Après tout ce qu'on a partagé la nuit dernière, ce salaud, cet idiot, ici présent, il m'a fait ça. Il m'a bien baissé la nuit dernière. Ensuite, il fallait kidnapper mon père. Quoi? Eh bien... Tu n'es pas fini, fiston. Que me vaut tout ce cinéma? Attendez. Voulez-vous me dire que vous n'êtes pas au courant de tout ça? Les gars, arrêtez de faire semblant, là. Tout. Ah, vous avez tout planifié. Vous avez planifié pour kidnapper mon père. Ada... Hein? Ce n'est pas ce que tu dois faire. Retire mon nom dans ta bouche, je vais exploser ta cervelle. Ada, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Tu sais quoi? Peut-on parler en privé? Mon roi, garde! Qu'est-ce qu'il a, ce vieux? Qu'est-ce que l'autre? Tout est médiatisé, j'ai la vidéo complète. C'est parce que c'est un vieil homme, il n'a pas la force. Pas du tout. Arrête son cinéma. J'ai la vidéo complète, tout est médiatisé. Tout est médiatisé, j'ai la vidéo complète. Le trône est à elle. Longue vie à la reine, la dame lion. Le cœur du vieux est fragile. C'est le trône de mon père. Maman a dit ça. Que son règne vienne et qu'il règne pour toujours. Longue vie à la reine. Photo du jour, photo du jour. Du passage. Film. Du passage. Photo du jour, allez, vas-y. Film. On en prend une. Ouais, très bien. Je ne suis pas soi. La reine. Longue vie à la reine. Capte mes mouvements. Notre dame de fer. Capte mes mouvements. Du passage. Allez, prends une photo. Regarde ce swag. Allez, vas-y, prends. Du passage. Que se prend-il? La reine. Tu me filmes. Oh, parler. L'envie à la reine. L'envie à la reine. La dame de fer. Il n'y a personne. La dame de fer. Du passage. L'envie à la reine. Hey, laissez le passage. Bougeons, les gars. Pour qui se prend-il? Pourquoi? Comment as-tu pu nous faire une telle chose? Pourquoi tu as trahi ta propre famille? Mère, s'il te plaît, crois-moi, ce n'était pas mon intention. S'il te plaît. Fiston, nous t'avons donné la meilleure éducation. S'il te plaît. On s'est assuré que tu ne manques jamais de rien. Nous t'avons donné tout l'amour dont tu avais besoin.
Pourquoi nous faire ça? Pourquoi? Hein? Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Maman, j'ignorais que c'était la vie d'Iteoloa. Comment aurais-je pu faire une telle chose, mère? S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi pour cette petite erreur, s'il te plaît. Une petite erreur, tu dis? As-tu vu l'état dans lequel tu as mis ton père? Le docteur dit qu'il a une paralysie partielle. Dieu seul sait quand est-ce qu'il s'en sortira. Fiston, tu nous as vraiment déçus. Oui, vraiment. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Itié, je suis vraiment désolé. Je veux dire, vraiment, vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Vous savez, je n'ai jamais voulu de tout ça. Je crois que vous m'avez vu vous libérer avant qu'Adézé ne vienne. Adézé, moi, nous sommes des amis depuis un moment maintenant. Oui, cela ignorant qu'elle est votre fille. Et maintenant, elle m'en veut que je suis celui qui vous a enfermé. C'est mon père qui l'a fait. Mon fils, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas entre ton père et moi. Tu es son fils, mais nous avons des différends. J'ai déjà abandonné le trône pour que règne la paix dans ce royaume. Ton père m'a forcé à signer des documents contre mon gré. Il m'a prévenu que si jamais je montrais encore de l'intérêt pour ce trône, alors il tuerait ma fille Adézé, tout comme il a assassiné ma femme. Il m'a chassé du palais. Ce palais a été construit par ma défunte mère. Ces statues que tu peux voir dans ce palais sont celles de mes parents. Je n'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Waouh! Donc, père peut être cruel à ce point? Oui, je le connais comme étant un homme fort. Mais pas comme ça. Mon garçon, tu n'étais qu'un gamin à l'époque. Ta mère connaît la vérité. Et ta mère connaît toutes les atrocités commises par ton père. Oui. Ma mère? Oui. Ma propre mère. Oh. So which one do I go for justice on my family? Yeah. Somebody tell me what to do. Oh, yeah. I which way to go? I am here. Hey, yeah, I. Oh, I am here. Hey, I. Hey, I. I am here. If I know, I. If I know, I am here. I. What do we do now? Which way to go now? I am here. Hey, I am here. Est-ce que c'est vrai? Père, j'ai énormément de questions à te poser. So which one do I choose, the throne or the love of my life? So which one do I go for, justice or my family? La thune liaison avec le prince. Adézé, est-ce que tu as eu une liaison avec le prince? Comment es-tu au courant? Le prince me l'a dit. Oh.
Il était là? Oui, il était là. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne savais pas qu'il était le prince. Et ce fut ma plus très grosse erreur. Je regrette chaque moment avec lui. Je sais, Obiora est un gentil garçon. Mais il agit sous l'influence de son père. Ne te trompe pas, père. Je sais qu'il est venu pour te demander de plaider pour lui. Mais il est mort pour moi. Hadès. Je n'aimerai plus jamais poser mon regard sur lui. Hadès, que viens-tu de dire? Hadès, c'est toi que je parle. Ah! Oh! Père, je sais que vous m'écoutez. J'ai un tas de questions à vous poser et je veux des réponses à chacune d'elles. Je veux des réponses à toutes mes questions, Obiora, et cela tout de suite. Que crois-tu être en train de faire? Père, à qui appartient cette maison dans laquelle on vit? C'est quoi ce genre de questions idiotes? Assez, mère. Père, répondez-moi. Est-ce vrai que cette maison appartient au père d'Adézé? Je parle de l'ex-Onohu. Quoi? Père, avez-vous tué son épouse pour prendre possession du trône? Assez de ces interrogations! Ne vois-tu pas que ton père n'est pas en bonne position pour répondre à ces questions? Laisse-le d'abord se rétablir. Non. Non, je dois connaître quel genre de père et leader qu'il est. Oui, je veux le connaître très bien. J'ai beaucoup entendu à son sujet. Père, dites-moi, êtes-vous meurtrier? Quoi? Comment oses-tu parler à ton père de la sorte? As-tu perdu la tête? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Mon roi, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne faites pas attention à ce qu'il a dit. Viens, Obiora! Obiora! Qui est-ce? Obiora! Fiston, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je parle, fiston. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment oses-tu parler à ton père de la sorte? Mais qu'est-ce qui te prend? Il doit me dire ce que je dois savoir. Quel genre de choses, par exemple? Maintenant, je peux voir que ton cerveau a été embobiné par cette idiote d'Adéisée. Elle t'a envoûté. Voyons, mère. Je suis certain que tu as des réponses à mes questions. Mère, dites-moi. Est-ce vrai que père a forcé Ite Eloa à signer les papiers à un moment afin d'oublier le trône? A-t-il tué la mère d'Adézé de sang-froid? Piston, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'ils essaient de te monter contre ta famille. Ne laisse pas cela arriver, mon garçon. Tu dois arrêter cette folie. Mère, ça se voit dans tes yeux que tu ne dis pas la vérité. Tu es une bonne femme, maman. Soutenir papa dans ça n'est pas la meilleure chose à faire. Hein? Maman, est-ce que cette maison a vraiment appartenu à la défunte mère d'Ité Eloa? Qui sont ces statues? Oh mon Dieu, je ne sais absolument rien de ma propre famille. Écoute, hein? Écoute, fiston, tu dois arrêter cette folie. Allez, mon chéri, ça se voit que tu es épuisé. Entre te chercher quelque chose à manger, ok? Which one do I choose, the throne or the love of my life? So which one do I go for, justice or my family? Oh no, je sais que mon père et vous êtes amis depuis des lustres. Même avant ma naissance. Et vous êtes au courant que j'ai été absent pendant un long moment. Étant l'honneur de ce royaume, et étant le futur roi, j'ai besoin de connaître les secrets de ce royaume, afin d'éviter de tromper le peuple de ce royaume. Que veux-tu savoir, mon fils? Ces statues au palais, qui sont-ils? Sont-ils liés à moi d'une manière ou d'une autre? S'il te plaît,
ne me cachez rien. Mon fils, ces statues sont les parents d'Iloa. Et qu'en est-il du palais? Mon fils, le palais a été construit par la défunte reine, la mère d'Iloa. Alors, pourquoi y vivons-nous? Est-ce par la tradition ou Iloa l'a vengé à mon propre père? Ce n'est pas de la tradition. Nous avons tous été surpris quand Iloa et sa famille sont partis et ont abandonné le palais juste après la mort de la reine. Savez-vous ce qui a causé la mort de sa femme? Elle nous a dit que la reine avait été assassinée. Et suspectez-vous mon père d'être lié à ça d'une manière ou d'une autre? Tout le monde a suspecté ton père. Mais Iloa a choisi d'être calme à ce sujet. C'est d'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai eu mes réponses. Ok. Comme si ça ne suffisait pas. Il a même couché avec ma femme. Et je n'ai rien pu faire. Et oui. Je n'ai rien pu faire. Je ne voyais que ma femme gesticuler. Qu'est-ce que je pouvais bien faire? Ou alors fallait-il que je tape sur elle? Je la vois gesticuler. Où en sommes-nous? À deux mois. Mon chemin, tu me provoques. Nous devons parler. Parler de quoi? Ada, je suis désolé. Nous n'avons rien à nous dire. Je suis désolé. Ada, je suis désolé pour tout le mal que j'ai pu te causer. Ce que nous avons eu était une erreur. Non, ça s'appelle le destin. Ada, tout ce qui se passe aujourd'hui est la volonté de Dieu. Crois-moi. Alors retourne voir ton père. Dis-lui de descendre de ce trône. Ainsi je te pardonnerai. Adeizé, je suis venue t'avertir de laisser mon fils tranquille. Tu as déjà réussi à empoisonner son esprit à notre détriment. Que veux-tu d'autre? Tous nous tuer? Exactement! Je veux venger la mort de ma mère. Tu souffriras de la même manière qu'elle. Je prendrai soin de te faire souffrir. Dis à ton fils, dites-lui de rester loin de moi. Car je le tuerai en premier. Quoi? Je fais couper son pénis. Mais Bibriam! Tu menaces le prince de ce royaume? Tu es très stupide. Quel prince? Anachalomozo. Maintenant, dégage de ma cour. Adeizé, ou peu importe comment tu t'appelles. Reste loin d'Obiora. Il n'est pas de ta classe. Dégage. Tu es prévenu. Naoul. J'ai dit, tu es prévenu. Dégage de ma cour. Dégage, c'est moi pour un sort. Marc, ma poche va te pousser, espèce d'idiote. Stupide femme. Amen, fia. Tu es très chanceuse. T'es chanceuse, je n'ai pas mon arme sur moi. Idiote. Stupide femme, manamo, fia. Ton prince, n'a la monzo. N'importe quoi. Fiston, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Cette fille est un démon venu pour détruire notre famille. Regarde un peu ton père. Hein? Regarde son état. Et elle a aussi menacé de te tuer. Je t'en prie, mon garçon. Tu dois rester loin d'elle. Ok? Mère, je suis désolée. Je ne peux pas.
Je ne peux pas, maman. J'ai fait tout mon possible pour regagner son cœur, mère. Mère, si me tuer la rendra heureuse, je préfère mourir entre ses mains. Quoi? Obiora, qu'est-ce que tu as dit? Tu es devenu fou? Qu'est-ce qui te prend? Je maudis le jour où tu es né. Fils. Obiora, je peux voir que tu as perdu la tête. Te rends-tu compte que tu es mon fils unique? L'héritier au trône? Oh, mon Dieu! Comment ont-il réussi à détruire ma famille de la sorte? Ma reine! Oh. Mais qu'est-ce que j'entends là? Ma princesse! Qu'est-ce que j'entends là? Dieu merci, tu es là. S'il te plaît, essaye de le raisonner. Je crois que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace! D'espace? Oh, mon Dieu! Seigneur. Hadès, je veux que tu m'écoutes attentivement. Tout ce qui nous arrive se fait selon la volonté de Dieu. S'il te plaît, arrête de repousser le prince Obiora. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Peut-être que c'est aussi une façon de punir son père, le roi Azuka, pour toutes ces atrocités. Comment est-ce possible que de toutes les filles de ce royaume, tu es celle qu'il a choisie? C'est un signe de victoire. Arrête de le repousser. Ce qui arrivera, arrivera. C'est compris? Ne me dis pas que t'as dormi là. Tout à fait, mon amour. Ada, je ne pouvais pas dormir dans mon lit, ouais. Tu m'as manqué, oui, toute la nuit et j'ai décidé de venir là pour ressentir le battement de ton cœur. Assez de ce délire, monsieur. Je n'aime pas ça. Tu ferais mieux de partir. Va-t'en d'ici. Je ne veux plus te revoir. Je te l'ai dit à maintes reprises. Je sais qu'au fond de ton cœur, tu m'aimes. Oui. Tu m'aimes encore. Je sais ce que tu ressens. Crois-moi, j'ignorais que mon propre père avait fait arrêter le tien. Et j'étais très en colère quand je l'ai découvert, mon amour. Et deuxièmement, je l'ignorais que tu étais la fille d'Étier Eloi quand on s'est rencontrés. J'étais en colère, vraiment très en colère, quand j'ai appris ce que mon propre père lui avait fait. Je ne te crois pas. Tu savais tout depuis le début, voilà pourquoi. Tu t'es rapproché de moi. Non. Ada, je te jure sur ma vie. Et sur l'amour qu'on partage ensemble. Je te le jure. L'amour n'a pas de sens pour toi. Non. Non. Ada, je chéris chaque moment avec toi. Mon amour, ma vie ici sans toi, alors là, elle n'a pas de sens. Ada, on peut gagner cette guerre ensemble. Écoute, je donnerai tout pour que tu te sentes bien. Si ce trône appartient à ton père, bats-toi pour ça et je resterai à tes côtés. Ton succès est mon succès. Et mon succès est ton succès. Crois-moi, Ada, je t'aime de tout mon cœur. Oui. Ça veut dire que tu es prêt à laisser le trône? Oui. Pour moi? Oui. Donc tu es prêt à combattre à mes côtés? Oui, mon amour.
Si ce trône, il est à ton père, bats-toi pour ça. Je suis avec toi. Entièrement avec toi. Parce que je t'aime beaucoup, mon amour. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît. S'il te plaît, mon bébé. Je t'ai dit qu'elle est aussi froide que la glace. Elle n'est pas aussi dure comme les gens le pensent. Au fond de son cœur, tu comptes pour elle. Je sais. Je suis très content qu'on soit de nouveau ensemble. Promets-moi que tu prendras soin d'elle. Vous pouvez en être sûr, père. Je vous le promets. Et deuxièmement, je vous remercie beaucoup, vraiment beaucoup de m'avoir ouvert les yeux en ce qui concerne mon père. Mais s'il vous plaît, trouvez une place dans votre cœur pour lui pardonner. Je vous promets de m'assurer que vous retrouveriez ce qui vous revient de droit. Hein? Oui. Je te remercie, mon fils. Merci. De rien, père. Qu'est-ce que c'est? Que faites-vous dans ce palais? Pourquoi est-ce que ces fleurs sont sèches? Allez chercher de l'eau pour me l'arroser. Ah ah! Regarde ça. Mère? Vous avez vu le prince? Le prince? Ah, il doit être dans sa chambre, bien sûr. Non, j'ai vérifié, il n'est pas là. Où est-il allé si tôt? Ma reine? Je l'ai vu, oui, à 4 heures du matin. Quoi? Et tu ne m'as rien dit? Je suis désolé, ma reine. Ça veut dire qu'il est encore allé voir cette fille. C'est vraiment sérieux. Mère, êtes-vous sûre qu'il a tous ses sens? Je suis sûre que cette fille utilise de la magie sur lui. Oui! Je crois que tu as raison. Oui. Non. Ça, ce n'est pas juste. Mon bébé. Oui. Je suis heureux qu'on s'est retrouvés. Je le sais aussi. Nous allons gagner cette guerre ensemble, ok? Aïe, je fais mal de toi. Tu sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, bébé. Oh, mère. Mère. Obiora. Alors, tu as décidé de mourir entre les mains de cette femme. Hmm? Oh. Tu te retournes contre ta famille à cause d'elle. Maintenant, je veux que tu me dises. Qu'est-ce que cette fille a que la princesse Mercy n'a pas? Hein? Obiora, tu me déçois vraiment, mon fils. Tu veux foutre la honte à ce royaume, n'est-ce pas? Non, 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 non. Je ne le permettrai pas, parce que je sais que tu ne le fais pas en toute conscience. Ma reine! Je m'attendais même à voir devant moi une princesse, une déesse ou autre. J'ignorais que c'est cette racaille. Tu vas fermer ta gueule. Tu devras avoir honte de toi. Es-tu censé parler quand les gens parlent? Tu veux partir d'ici? Mère, plus tôt tu acceptes Adézé, mieux ce sera pour nous tous. Ne le vois-tu pas? Ne le vois-tu pas que ton fils est fou amoureux de cette femme? Hey! Au moment où on s'est rencontrés et nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre, ignorant tous nos différends. Maman, Adézé a ton bon cœur.
Et je l'aime. Mes ennemis sont à l'œuvre. Princesse Mercy, l'as-tu entendu? Ce n'est pas le fils que j'ai mis au monde. Et toi? N'ose même pas la toucher, maman. Non. Rentre à la maison. J'arrive tout à l'heure. Oui, rentre à la maison. D'accord. À tout à l'heure. Va-t'en! Va-t'en! Non! Mon amour, je suis désolé pour ça, ok? Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis finie, Princesse Mercy. Je suis finie, oh! Mes ennemis ont réussi. Oui! Ils ont réussi. Le roi est paralysé. Le prince qui est supposé être aux côtés de son père est avec notre ennemi. Dis-moi, ma princesse, comment vais-je surmonter ça? Oh non, 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 non. Je n'y arriverai pas. Tenez bon, marraine. Je n'y arriverai pas. Tenez bon, ma reine. Vous devez être forte pour sauver le prince. Nous savons tous qu'il n'agit pas de son plein gré. Non! Non, non, princesse, je ne peux pas. S'il vous plaît. Je ne pourrai pas le surmonter. S'il vous plaît, ma reine. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Mon amour, s'il te plaît, je ne suis pas à l'aise quand ces gars sont près de nous. J'ai comme l'impression que tu ne me fais pas assez confiance. Bien sûr que je te fais confiance. Ce sont mes hommes. Ce sont mes gardes-corps. Je ne sais pas. Je comprends, bébé, mais s'il te plaît, j'aimerais juste passer du temps seul avec toi. Est-ce qu'ils peuvent arrêter? Au moins pour qu'on puisse profiter du temps seul à seul. Je n'aime pas être distrait quand je m'amuse avec J'ai toi. J'ai compris, bébé. Ne t'inquiète pas, je ferai quelque chose. S'il te plaît, vraiment? Oh mon Dieu. Viens, Donne-moi viens là. Donne-moi un bisou. Mais viens là, bébé. Fais-moi un bisou. Ok, je vais le faire. Je vais le faire. Oh, mon bébé. Pourquoi me dévisages-tu de la sorte? Quoi? Bien, je ne vois aucun de tes gardes du corps dans le coin. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Waouh! Et dis-moi, que t'ai-je demandé de faire? Voyons, tu m'as dit la dernière fois que t'étais pas à l'aise de voir mes hommes tout autour. Alors, j'ai décidé de les renvoyer pour toi. Donc, tu me fais confiance à ce point? Pourquoi ne te ferais-je pas confiance? Pourquoi pas? Tu as dit que tu m'aimais et c'est réciproque. Je t'aime, mon cœur. Alors ne t'en fais pas. Ok? Ton super-héros, il est là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Bébé, tu sais que je suis fragile. Tu es fragile. Je sais que tu ne l'es pas, t'es pas fragile. Néanmoins, je m'inquiète, bébé. Je suis inquiet. Inquiet à quel sujet? L'état de santé de mon père ne fait que s'empirer. Oh, c'est vrai. Je suis désolée. Écoute, bien que ton père soit mon ennemi, je ne veux pas qu'il meure non plus. Je ne souhaite pas sa mort, je t'assure.
C'est bon, bébé. Ça va. Je sais que tu ne vas pas bien. C'est juste que je ne veux pas qu'il meure, c'est mon père. Il ne va pas mourir. Amen. Il ne mourra pas. Amen. Amen. C'est d'accord, souris, bébé. Souris, allez, souris. Souris. Mais bébé, je souris si quand même. Souris pas, je veux te voir sourire. Adèse, tout va bien? Ça fait un moment que tu regardes ce portail. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, papa. Tout va bien. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu avec le prince. J'espère qu'il va bien. Papa, la condition de son père se complique de jour en jour alors. J'ose croire qu'il prend soin de lui. Oh, je prie pour qu'il rétablisse bientôt. Amen. Amen. J'ai fait à manger et c'est prêt. Veux-tu que je te sers? Non, pas maintenant. Je mangerai plus tard. Je vais voir quelqu'un. J'arrive. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu ton appel désespérément, mais tu ne m'as jamais appelé. Moi, Chérie, mais je n'étais pas à côté du téléphone quand tu m'as appelé. Vraiment? Oh, c'est d'accord alors. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Moi, Chérie, son état ne fait que s'empirer. Vraiment? Écoute, rien de grave n'arrivera à ton père. Je prie pour lui, jour et nuit. Et il ira bientôt très bien, ok? D'accord? Merci, mon amour. Merci beaucoup, ok? Je te remercie. Je dois y aller. Oui, écoute, Il m'a raccroché au nez. Oh, voyons, pourquoi? J'étais sur le point de te dire quelque chose. Pourquoi t'as coupé l'appel? What do we do now? Which way to go now?
Back in the camp, let me say Okada they come. Back in the camp, I belong Okada they come. Back in the camp, no my level of doing. Back in the camp, back in the camp. Ni makani si lukwadozi, ni marevani na robidozi. Okutu kwa kani si pesino, kedifanyi na gina kazino. Make way for the tigress, clear road for the lions. Run out of Hadès! Mais où est-ce qu'elle est? Hadès! Apporte-moi de l'eau à boire. Désolée. Excuse-moi. Papa, as-tu croisé quelqu'un quand tu venais? Non. Pourquoi? Que se passait-il? Je pense que quelqu'un me suit. La personne m'a suivi jusqu'à cette cour. Et je ne sais pas de qui il s'agit. Hadès, assieds-toi. Hadès, je t'ai dit d'être prudente quand tu marches. Tu sais bien que je soutiens ta relation avec le prince. Je ne fais toujours pas confiance au roi. Je me demande pourquoi tu as demandé à tes amis de partir. Il y a des ennemis partout. Calme-toi, papa. Obura est avec moi. J'ai la foi qu'Obura me protégera. Ou n'as-tu plus confiance en lui? Comment était la réunion avec les anciens? Je suis inquiet. Je suis très inquiet, Hadès. Tu ne dois plus t'inquiéter. Je vais bien, je suis imbattable. Mon nom, c'est Hadès. Hein? La petite fille de Akumwanye. S'il te plaît, papa, calme-toi. Arrête de te faire du mal. C'est quoi ce mauvais pressentiment? Eloua. Eduke. Oui? Merci d'être venu. Je suis désolée du dérangement. Aucun problème. Tu vois, j'ai constaté que une personne inconnue me pistonne depuis un temps. Et je ne sais pas quel motif il ou elle a. J'aimerais que tu travailles avec moi. Ok. Oui, j'ai besoin de toi. Je veux que tu découvres qui est cette personne. Je veux que tu surveilles mes arrières. Hadès, si je peux me permettre, pourquoi as-tu renvoyé tes gars, hein? Éduqué, voyons, je ne pense plus avoir besoin d'eux. Je leur ai demandé de partir. Tu ne penses pas encore avoir besoin d'eux? Bien sûr. Écoute, ne sois pas aveuglé par l'amour que tu as pour le prince. Nous sommes tous au courant de votre relation dans cette communauté. Mais son père ne sera jamais d'accord avec ça. Nous connaissons tous le roi Azuka comme un méchant roi, ma sœur.
Et crois-moi, il fera n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi pour sécuriser ce trône. Et pas même son propre fils ne sera épargné. Éduqué. Qu'est-ce qu'un homme mourant peut bien faire? Le roi est très malade. C'est vrai, il ne peut pas tuer une souris. Mais quelqu'un d'autre, là dehors, complote contre moi. Je suis sûre de ça. Peu importe qui tu penses comploter contre toi, je t'assure que, et je te le dis catégoriquement, que ça vient du palais. Oui, du palais. Où est-ce que tu vas, papa? Papa? Oui. Hadès, hein? Occupe-toi de la maison, s'il te plaît. Je vais à une réunion des élus. Papa, il menace de pleuvoir. Et le repas est presque prêt. Attends avant d'aller à la réunion, s'il te plaît. Oh, ne t'en fais pas. Je mangerai à mon retour. Oui, ne t'en fais pas. Ok. Prends soin de toi. Rentre vite. Oh. Tu es là? Oui, je viens d'arriver. Ma belle, ça va? Tu m'as manqué, bébé. Tu m'as manqué aussi. Moi encore plus. Et comment va ton père? J'espère qu'il se rétablit. Mon cœur, il ne répond pas au traitement. Oh. Ne t'en fais pas. Ton père ira bien, ok? Rien ne lui arrivera. D'accord? Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Ton père, il est là? Non, il vient juste sortir. Ah, oh. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Une personne étrange me poursuit depuis un certain temps. Je ne sais pas qui est cette personne. Une personne? Oui. Qui ça peut être? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que cette personne veut ma peau. Ça va. Bébé, ne t'en fais pas, ok? Je suis là avec toi. Mon cœur, je vais te protéger jusqu'à la mort. D'accord? Ne t'en fais pas, chérie. Ok? Je te fais confiance. Oui, mon amour. Je crois en toi. Mais voyons. Je vis en toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. So which one do I go for? Justice on my family. Yeah. Somebody tell me what to do. Oh, yeah. I which way to go? Je suis enfin ravi que ma fille
soit devenue une femme. Elle cuisine pour moi, matin et soir. Qui aurait cru qu'Adès aurait changé aussi bien? J'arrive. Laisse-moi te prendre de l'eau, ok? D'accord, d'accord. D'empoisonner mon Perrier. Mais Dieu merci, on l'a vaincu. Mais n'a qu'en caramia. Nom de Dieu. Empoisonner? Mais c'est sérieux. Qui aurait pu faire une telle chose? Je crois que l'attaque vient du palais. Je te demande pardon? Ne t'en fais pas. Je trouverai la cause de cette affaire. Et je vais m'assurer de traquer cette personne et m'en occuper personnellement. Mon Dieu, mais c'est sérieux ça? Empoisonné? Oh! Adézé, j'ai appris ce qui est arrivé. Édiqué, mon ami, mon frère a été empoisonné hier. Dieu merci, il a survécu. Alors, quoi de neuf? Qu'en est-il de ce que je t'ai demandé de faire? T'as pas pu avoir des informations? Parce que je suis sûre qu'il ou elle est responsable de ce qui est arrivé à mon Perrier. Rien pour l'instant. Mais Adézé, j'insiste encore. Que tu ailles en ville et il reste un moment. Écoute ma devise, que son règne vienne et que ce règne dure pour toujours. Penses-tu que je suis une lâche? Adézé n'est pas une lâche. Vois-tu cette guerre? Je lutterai jusqu'à la fin. Mais s'il te plaît, sois prudente, ok? Parce que je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose dans rien cette communauté. Du tout ne m'arrivera. Des nouvelles du prince? J'ai vu le prince plutôt aujourd'hui. Ok, mais s'il te plaît, fais attention. Hein? La guerre du trône est une guerre très risquée. Ne fais confiance à personne. Même pas une seule. Ne fais pas confiance. Ok. Adézé. Édiqué, mon pas. Un de ces quatre. De ton côté, tu sais. Je rends visite à Oninsa. Viens à Oninsa, tu seras traité comme roi. Oh, détends-toi, mon pote. Pas de soucis. Allons-y, là, dehors, je vais te donner un verre. Suis-moi, allons-y. On va bien s'éclater.
Ah, Obiora, mon fils. Merci. Ça va aller. Père, tout ira bien, ok? Je vous salue, mon roi. Ma reine, mon prince. Salut, Ejike, comment tu vas? Ejike, sois le bienvenu. Ejike, comment tu vas? Mon roi, je vais très bien. Je vois aussi que vous allez mieux, mon roi. Oui. Je suis sorti pour prendre de l'air frais. J'espère que tu te plais au poste que je t'ai donné. Je suis celui qui a fait de toi le leader des jeunes. J'espère que tu n'as pas oublié. Non, mon roi. Comment je l'oublierai? Et tu as choisi de t'opposer à moi. Non, mon roi. Je... Ferme-la! Ne parle pas quand je suis en train de parler. Tu es fou. En passant, qu'est-ce que tu fais ici? Mon roi, je suis venu voir comment vous allez. Pour savoir si je suis mort. Parce que la plupart d'entre vous veulent me voir mort. Et même essayent de retourner mon fils contre moi. Mais je remercie les dieux que il est revenu sur le droit chemin. Oui. Ejike. Oui, mon roi. Tu ne vas pas rester longtemps à ce poste. Non. Quelqu'un d'autre te remplacera. Tu peux partir maintenant. Va. Gâteur d'humeur. Gâteur d'humeur. Il veut gâcher mon humeur, mais il ne peut pas. Obiora. Obiora. Père. Tu vois? Ils ont essayé de me tuer. Ils ont essayé de me tuer. Père, tu ne dois pas t'inquiéter parce qu'ils n'ont pas réussi. Et ta fille est prête pour ça. Wanakarmontia. Père, je suis venue préparer. Ils t'ont empoisonné. C'est quoi du poison? Ils pensent que du poison peut... Non! Le poison ne peut pas tuer mon père. Jamais. Ejike. Ejike. Tu es là. Tu es là. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Merci, monsieur. Itié, je peux voir que vous allez mieux à présent. Oui, je pète la forme. Je vais bien. C'est bien. Adézé, s'il te plaît, on peut parler. Tu as des choses à me dire. Exact. Un tas de nouvelles. Viens là. Itié. Papa, j'arrive. Ok. Es-tu au courant que le roi est de nouveau sur pied et au moment où je te parle, il est au palais? Non, personne ne m'a dit. Et le prince n'est pas passé te voir? Non plus. Je ne dis pas ça pour causer un problème entre le prince et toi, mais crois-moi, je pense que le roi et le prince travaillent ensemble. Développe. Hier, j'étais au palais. J'ai bien pu voir comment le roi et le prince festoyaient et célébraient. Je pense qu'ils sont. De mèche, le roi a même menacé de m'enlever la présidence. Tu veux dire que le roi a menacé de t'enlever ton poste? Je te l'ai dit. Et le prince est de retour dans ce village avec son père. Il sort de l'hôpital et il ne m'a pas appelé, il ne m'a rien dit. En ce qui me concerne, j'ai parlé avec lui il y a quelques minutes. Vraiment? Je ne te crois pas. Je dois le découvrir moi-même. Excuse-moi. Excuse-moi.
Piora. T'es là? Obiora, donc c'est vrai? Non, tu as qu'aider. Tu me mens à moi. Tu y as le toupet. Et coupe-moi ton oco. Ferme la espèce d'idiote. Moi, tout là, on est bon. Né, laisse-moi utiliser ton slogan. Hein? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Mon fils est de retour. Ça, c'est mon fils. Inyala de Kalan Kolombom. Topiora! Rasikta Wake! Est-ce que c'est toi qui as empoisonné mon père? Maintenant, je vois, c'est clair! C'est clair que c'est toi qui as empoisonné mon père! Oui! Tu as empoisonné mon père! Et bois mon sou! Nsogi! Comme je l'ai dit, que mon règne vienne! Abrona ogada de kom, onyala! Banu mwamba bo de kou! Esika le desio, demegat ne le desio! Ta! C'est ma voix! Omone zabo de bana mone de ze abro! Tu ne peux tuer personne ici! Ta! Ganawe! Espèce d'idiot! Idiot! Dégage! Dégage! Elle ne peut pas du tout gâcher notre joie, cette fauteuse de trône. Comme j'étais en train de le dire. Adézé. Maintenant, dis-moi, c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'en ce qui concerne les jeunes, nous sommes entièrement avec toi. Les jeunes de cette communauté sont unanimement de ton côté. La révolution sera médiatisée. Si vous doutez, j'ai toute la vidéo. Oh, t'es on va tous se les faire. La guerre. 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 La guerre, 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 la Est-ce ouais, que oui, c'est clair? Bien sûr. Est-ce que vous pigez? On a toujours. Suivez-moi, dites la guerre. La révolution sera. Je dis, suivez-moi. La guerre. La guerre. La guerre. Dites la guerre. La guerre. La révolution sera médiatisée. La guerre. 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 Dites la guerre. 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 Ne le vois-tu pas? Oh. Ne vois-tu pas que toute cette comédie ne me fait ni chaud ni froid? Oh. Mon cœur, mon corps et mon âme appartiennent à Adézé. Oui. J'ai fait ce que j'ai fait juste pour sauver la vie de mon père. Bien sûr. Je vais la ramener quand mon père va complètement se rétablir. Je vais la ramener ici, que père le veuille ou pas. Le roi ne l'acceptera jamais. Votre amour pour elle est insignifiant. Ne voyez-vous pas? Nous sommes faits pour être ensemble. Pour toujours. Tu rêves? Tu rêves, ma chérie. Vous allez le regretter. Je vous jure que vous allez le regretter. S'il te plaît, sors de ma chambre. Vous allez le regretter. Sors de ma chambre.
s'il te plaît. Je ne suis plus d'accord avec ce genre de choses. Je ne suis plus d'accord. Pensez que ce problème peut être réglé de cette façon? Voyons, père. Papa, des fois, je me demande si tu es de la vraie famille de la famille Okoro. Comment peux-tu avoir peur de verser du sang dans ce moment pareil? Comment? Un vrai roi doit toujours être à l'avant. Lutter pour son peuple. Comme un vrai guerrier. Père, nous luttons pour toi. Père, nous luttons pour nous. Oui, bien sûr. Père, nous luttons pour la jeunesse. Mais oui. Père, les jeunes et les anciens sont avec nous dans cette guerre. Alors pourquoi veux-tu nous faire reculer? Pourquoi? Hadès, je ne peux pas reprendre le sang. Et si tu mourrais dans cette bataille? Alors je mourrais heureuse en tant qu'héroïne. Pour m'être battue pour mes gens. Est-ce que c'est clair? Hé? Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Hadès, tu es une femme, tu es une femme. Ainsi qu'était ma grand-mère, Akumwang. C'était une femme. Elle a dirigé ce royaume pendant des décennies. Isiogu. Écoute-moi bien, personne ne peut me stopper. Quand mon règne vient, je suis prête pour régner. Oh, ce mec, pourquoi tu t'inquiètes? Oh, Koriferuna Konakakatazo. Papa, tu iras bien. Ginika Agawo. N'avons pas. N'es-tu pas mon père? N'es-tu pas censé encourager ta fille dans cette guerre? Les gars, c'est la guerre. Papa, t'inquiète. Papa, tout ira bien, hein? Sans effusion de sang, il n'y aura pas de salut. Ta fille fait ce qu'il y a à faire. Tout est médiatisé. Papa, tout ira bien. Protège ma fille, Seigneur. Protège-la. Obiora, mon fils. Père. Agona mwago. Abomagwa benefe mounyeginerge. Alors que... Mon roi! Mon roi! Igwe, il y a un problème. Bonjour les ennuis. Igwe, le ciel nous tombe dessus. Tu ne cesseras jamais d'agir. Non mais qu'est-ce qui t'arrive? La situation s'empire. La situation devient bizarre. Agathe. Je t'assure, mon roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as perdu la tête? Igwe, Adeise, la fille de Lua, arrive avec tous les jeunes de ce village. Il vient attaquer ce palais. Impossible! En ma main, impossible! Je vais tous les tuer. Garde! Non, père. Garde! Votre Majesté. Calmez-vous. Souvenez-vous de ce cas-là. Votre Majesté. Vous êtes encore fragile. D'accord. Mon roi, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons mener cette guerre. Mon roi. Garde. Votre Majesté. Préparez tout le nécessaire. Puisse qu'ils veulent la guerre, alors la guerre, nous allons leur en donner. Allons-y et préparons-nous. La guerre. Allons-y. Hey, fiston, qu'est-ce qui se passe? Nous allons mener cette guerre. Chief Naka, s'il vous plaît, parlez-moi. Pourquoi tout le monde agit bizarrement? Ma reine, Adeise et tous les jeunes de ce village sont en route pour attaquer le palais. Quoi? Je m'en vais. Au revoir. Hein? Je m'en vais. Hey! Ichelua! 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 Ichi! Mais que fais-tu ici, fils de pute? Désolé. Je sais que vous m'en voulez. Mais s'il vous plaît, nous devons résoudre cette situation. Adeise est sur le point de s'embarquer dans un truc qui pourrait lui coûter la vie. Oui. S'il vous plaît. Et pourquoi tu prétends autant t'en soucier? Je me soucie. Croyez-moi, je me soucie, Etier. Et j'aimerais votre fille pour toujours. Je sais qu'il s'est passé plein de choses. J'ai décidé de m'éloigner quelque temps. Vous savez, le médecin a dit que la maladie de mon père, qu'il pourra y survivre si on lui donne beaucoup d'amour. C'est toujours mon père. Je ne veux pas le perdre. Plus tard, j'ai appris que le poison venait du palais. Je sais que mon père est mauvais.
Mais je ne veux pas qu'elle vous fasse du mal. S'il te plaît. Tu aurais dû lui expliquer tout ça avant de partir. Maintenant, elle te voit comme un ennemi. Itié, c'est de ma faute. Je l'admets, c'est mon erreur. S'il vous plaît, nous devons les arrêter tout de suite. Nous devons le faire tout de suite, s'il te plaît, Itié. Nous devons arrêter Adézé. Allons-y. S'il vous plaît. Allons-y. Idiot!
Bande d'idiots, fous. C'est exactement ce que vous êtes. Regardez-les. Vous croyez faire quoi? Alors sortez de cette concession avant que je n'ordonne qu'on vous exécute tous autant que vous êtes. Regardez ces idiots. Agua no lo fuma. Arigua no lo fuma. Espèce de vieux fou. Tu es un fou, Ebibalama. Arrête d'aboyer comme un vieux fou. Tu es en train de parler à ton roi. Et dégage ici. Doucement avant que je ne te force à partir, ma mère. Il va m'y gagner. Dégage. La révolution sera médiatisée. Oh, magnifique. Regarde-moi quand tu parles. Regarde-moi. C'est à toi que je m'adresse. Nyamo, tu ferais mieux de partir avant que je ne te foute la honte de ta vie. Mon règne est arrivé. Je suis prête à régner. Oui, c'est ça. Mon règne est arrivé. Le vieux roi doit partir. Tu es en train de me parler. Tu es folle. Tu n'as rien dans la cervelle. Si tu étais ne serait-ce qu'un peu raisonnable, tu saurais que tu ne peux absolument rien contre moi. Comment penses-tu m'enlever de ce lieu? Mais regardez-moi ce cafard! Ta mère, une femme sage, une femme très sage avec toute sa sagesse, n'a pu le faire. Et toi, tu penses que tu vas y arriver? Tu es folle. Tu n'es rien d'autre qu'une folle. Ma coucou non dit encore. Wane ma coucou non dit encore. Je suis un désert. Va-t'en. Je suis un désert. Va-t'en. La petite fille d'Agoumoigne. Dehors. Son sang coule dans mes veines. Mon pote, je vais te réduire à néant avec une seule main. Moi? Ma corda, corda. Je répète, je vais te porter avec une main et te mettre à la porte. Okutano, Meguru. Tu es folle. Mon règne a sonné, c'est à mon tour de régner. Attends! Si tu doutes, j'ai la vidéo complète. Révolution. Toute la vidéo. Tout ça que t'appelles révolution. Ngwa, ibega guake. Izengwa bake. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Essayez pour voir. N'essaye même pas. Ne s'approche pas de moi. Essaye pour voir. Éloigne-toi. Fais ton possible. Non, n'essaye même pas. Je t'ai dit, je tirerai. Père, non. Tu as pas mais tu ne Père, non. Ne t'approche pas. Père, non. Vas-y, tire. Père, non. La révolution sera médiatisée. Le prince et le roi sont morts. Hey, nous sommes punis. C'est fini. Qui ai-je offensé? Hey, Igwe. Je l'avais dit l'autre jour. Je l'avais dit, mais personne n'a voulu m'écouter. Je l'avais dit, mais personne n'a voulu m'écouter. Cette famille, c'est qu'elle. Ma reine. Hey, mon roi. Mon roi, ma reine, la reine, Laura. Ma reine. Qu'allons-nous faire? Je l'avais dit. Je savais.
savais que ça finirait pas arriver. Oh non, vous savez que ça finirait pas arriver. Nous tous sommes morts, tout comme le roi, lui aussi il est mort. Ça finirait pas arriver. Voilà qui est mort. Hadès, je t'ai pourtant prévenu, mais tu m'as pas écouté. Regarde où cela nous a menés. Le prince était ici. C'est lui qui m'a demandé de venir t'arrêter. Il a dit qu'il est resté loin de nous pour nous protéger de son père ignoble. Avant de se faire tuer. Maman, calme-toi. Maman, calme-toi. Tout est filmé, maman. Tout est médiatisé, maman. Maman. Maman, ressaisis-toi. Tout est médiatisé. Tu m'arrêtes ces conneries. Arrêtez-moi ces conneries. Vous ne prenez absolument rien au sérieux. Ah, papa, ce n'est pas de sa faute. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Sans effusion de sang, papa, il n'y aura pas de salut. Hein? Tout est médiatisé, j'ai la vidéo complète. Papa? Éloi. Je suis là pour savoir quoi faire. Le roi Azuka est mort et enterré. Et nous, les aînés, avons décidé de remettre le trône. Oui. Tu vas continuer où le roi Azuka s'est arrêté. Nous savons que tu nous rendras fiers. Je suis désolé de le dire, mais je ne suis plus intéressé par ce trône. Éloi. Quiconque voudrait accéder au trône n'a qu'à le faire. Je ne peux pas m'asseoir sur un trône rempli de sang. Hey. Mon Dieu. Ok. Puisque tu n'es pas intéressé par le trône, certainement, ta fille pourra. Je suis désolée, je ne peux pas. J'ai tout perdu. Le jour où Obura a été abattu à mort. Je rentre au Ninja. À la première heure demain matin. Je suis en vie. Oui. Obura est toujours en vie. Il est vivant. Tu es en vie? Oui. Il est vivant. Oui, je suis en vie. Il est vivant. Nous allons diriger ce royaume ensemble. Mon amour, il est réel, il est vivant. Père, nous avons gagné. Merci. Merci. Ah, 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 ah.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. What do we do now? Which way to go now? Choose the throne or the love of my life. So which one do I go for? Justice or my family? Yeah. Somebody tell me what to do. Oh, yeah.